Bonsoir à tous, désolé, excusez-moi, on va la refaire. Est-ce que vous allez bien? Bah, ça va bien, et toi? Très bien. Ah, et vous même, plus exactement. Eh ben, maintenant ça va mieux, pour moi. Bah, du coup, on est parti là pour quelques heures, moins de 16, j'espère, pour le replay du tournoi, donc quart, demi et top et finale à la fin. Je rappelle évidemment que le chat choisit chaque match. Le bracket de ce soir, en tout cas pour l'écart, sont... Hop. Du coup, ce soir, vont s'affronter Korn 411 versus contre Reborn C. Donc ce sera Emara contre Shorikai. Damienad contre Admab. Donc Karizev contre Shorikai. Sensei Dora contre Didou. Qui est Tameshi... non, pardon. Bjorna Wernog et Lurus contre Nyambi. Et enfin, Zanku avec Max Daman, donc Grist versus Tameshi. Voilà, c'est le sondage de ce soir. Hop, il commence maintenant, vous pouvez voter, mettre des bits, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous pensez un peu de ces affrontements, Korai chez Ali Kanto? En tout cas, on retrouve les decks bien représentés du format actuellement. Il y a juste Emara, Tameshi et Nyambi qui sortent du lot. Emara qui était joué par Korn, qui joue le deck depuis un bon bout de temps et qui l'a un peu popularisé même, depuis bien plus d'un an et quelques. Tameshi qui a un deck qui a un peu de popularité quand même en ce moment, mais qui personnellement me vend pas trop de rêve, mais bon, c'est du bleu-blanc artefact avec... l'objectif de faire des big turns avec Lotus Bloom et sinon de proposer des locks avec Winter Orb et générer sinon plein de constructs pour tuer. Et Nyambi qui ressemble vraiment à... Enfin, qui doit sûrement ressembler à un deck bien contrôle. Alors, soit contrôle, soit tempo. J'ai regardé la decklist. Et là, on est plus sur une decklist qui ressemble beaucoup à Denik. Mais même d'ailleurs, il y a un Denik dans le deck, donc ça peut laisser penser à un swap envisageable. Donc là, c'est White Tempo qui peut vraiment partir en plan de jeu contrôle en fonction du match-up. Et Nyambi qui est très bien justement contre les match-up contrôle, parce que si on n'a rien à faire fin de tour, on peut jouer Nyambi. Donc ça a l'air pas mal contre Shurikai. Est-ce que tu veux qu'on montre la liste pour les gens? Pour qu'on discute. Est-ce que tu veux parler un peu plus de la liste? Il se trouve que la liste Nyambi vient effectivement d'une liste d'Enik et que Didou avait réussi à l'emmener dans le top 16 de Toulouse aussi. Du coup, je disais que la liste de Nyambi de Didou vient effectivement complètement d'une liste d'Enik dans laquelle on s'est demandé c'est quoi le mieux comme command zone. Est-ce qu'on veut d'Enik ou Nyambi? Et finalement, la présence de jeux bleus dans le format fait pousser vers Nyambi plutôt que d'Enik qui est réservé pour les match-up aggro comme Karizev. Tandis que Nyambi sera beaucoup, beaucoup plus forte contre tout ce qui va être contrôle en général, puisqu'elle peut faire beaucoup plus de cartes d'advantage et jouer en flash. Et là où structurellement Denik avait un peu de mal contre Shorikai, avec Nyambi ça améliore le matchup en fait. Ce qui est assez marrant, c'est que justement le deck. Nyambi a vraiment cet aspect de. On joue vraiment pas sur le général, on joue pas tous les lands qui sont légendaires, qui sont un peu mauvais. On a vraiment déjà une mana base qui est vraiment une identique d'un Denik. Et après, sinon, on a les quelques légendaires qu'on pourrait discard, c'est soit du coup des walkers ou alors des créatures comme Adeline, Guest ou autres qui, si jamais ils sont pas bien dans le match-up, par exemple contre contrôle, on n'a pas forcément envie de step out pour poser un Brimaz ou une Adeline qui vont pas forcément marcher. Donc c'est et même JT effectivement. JT en contre. C'est vrai. Et du coup ça, il y a cet aspect de je peux recycler mes créatures qui sont pas bien dans tel match-up pour au moins essayer de trouver quelque chose de plus intéressant, ou même mes Planeswalkers si jamais ils sont pas intéressants dans l'instant. Mais c'est en tout cas le deck a l'air pas mal. Alors pour l'instant on est à la moitié du vote et on a
plutôt une séparation entre Emara et Shurikai et Birna Wernog Lurus et Nyambi justement. Moi personnellement, je serais team Willuke Lurus contre Nyambi. Je serais sur la même team. Je pense que c'est là où on va avoir le plus de beaux magic. Ouais, ça va. Il y en a un qui va essayer d'agresser et d'empêcher l'autre de comboter, et l'autre qui va gérer quelques petites menaces et se préparer à faire des grands tours de storm, et ça risque d'être sympa. Et ben du coup on va pouvoir y aller. Hop. Alors je vais de ce côté. Voilà. Tac, tac. Et c'est parti pour le chat. On va pouvoir partir et hop. Est-ce que tu fais un partage d'écran du coup sur la partie ou ok, parce que nickel. Hop. Et oui, ça va jouer à Magic. Alors on avait le toss du coup qui était pour Sensei Dora, c'est ça? Ou peut-être pas. Non, qui était visiblement pour Zubrovska. Alors, ça va vite. Donc on a eu un land tour 1 du côté de Nyambi qui non pardon. Faut que j'essaie de retrouver le. C'est un land 3 couleurs, ce n'est pas chiant Nyambi. Ouais. Donc ouais, on était le toss pour Will the Killerus. Tour 2, on va du coup essayer de slammer un search for Ascanta. Alors parti dans le match. Qui va prendre son mana Tice. Je dois dire qu'en tant que joueur de Nyambi, je suis très déçu de ne pas pouvoir jouer mon triomphe comme en moderne pour pouvoir Mythic Ending à 3. Ah ouais, j'avoue que ça c'est. Ça quand c'est on pas joue Shurikai, quand on joue Denik, etc. Deis qui aurait été bien un tour avant, parce que si Ascanta ça passait, ça pouvait vraiment faire des. Il aurait peut-être fait le chat différemment, dans ce cas, puisque sa seule île actuellement c'est un triomphe, il aurait peut-être pas voulu avoir un triomphe. Plutôt d'accord. Ça part avec Spell Pierce et Days en backup. Est-ce qu'on voudra vraiment utiliser notre Spell Pierce pour protéger notre Wernog? Je suis pas sûr à 100%. Après, le problème, c'est qu'on sait que le deck. Enfin, en théorie, on doit savoir que le deck en face doit proposer pas mal de créatures. Donc peut-être qu'on aura seulement ce moment pour trouver un spot pour protéger. Enfin, et pouvoir vraiment tirer du profit de ce Spell Pierce. C'est quel est le land qui est en deuxième position dans la main du Nyambi? Reflecting Pool, c'est votre nouvel art de Commander Legends. Ok, ouais, elle est jolie. Ouais, là c'est le gros moment de réflexion. Tac 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 tac. Est-ce qu'on veut lancer cette Miskel Koopa? Le problème, c'est qu'elle va être assez décisive. Et on va dire ok. On va garder pour autre chose. Et du coup, il y a un clou qui est mis aussi du côté de Zubrovska. Il va sûrement le craquer d'ailleurs fin de tour. Cast Preordain. Enlety de Tutor, c'est un début de combo parce que ça pourra aller chercher Breach au moment important. Ou une partie de la combo Painter aussi. C'est vrai qu'il est pas très menaçant pour l'instant. Voilà, il peut juste. Enfin, s'il a un land encore on top, il peut juste proposer juste land et Dirgo et il pourra piocher deux cartes à la fin du tour de son oppo. Mais on va avoir un Elite Spellbinder qui va être casté. Je pense qu'il faut Daze dans le spot. Ah oui, mais le problème c'est qu'après, ça nous coupe notre bleu. Qui va revenir en jeu top. Ouais, c'est ça.
Du coup, ouais, on laisse passer. Et je sais pas trop ce qui va. C'est un peu compliqué là pour le coup. Est-ce que le drone Nidoloque peut le tuer en l'état? Il y a que deux cartes au cimetière, mais ça peut monter assez vite. Drone Nidoloque, je pense qu'il peut tourner autour. C'est peut-être Orim Shunt qui peut être assez problématique. Tu tords, très bien. C'est le Jit aussi. Qu'est-ce que ça peut aller chercher Tutor dans cette liste? Alors, ça peut aller chercher... Tac. On peut aller chercher Wishlow Talisman, on peut aller chercher Grindstone ou Painter, on peut aller chercher Breach. Breach. Et c'est globalement tout, mais c'est déjà pas mal. On peut aller chercher Baleful Strix. Et ça, c'est pas mal. Ce qui n'est pas si mauvais que ça dans le matchup. Ouais, mais je suis pas forcément un Tutor... Balance. Une des cartes que je préfère à Magic. Aujourd'hui, j'ai fait une game de balance en face d'un joueur de Shurikai, sauf que malheureusement pour lui, ma créature en jeu, c'était un Chromium. Ah, ça... J'ai fait, ah bah écoute, je vais discard ma main, ma Chromium, c'est une 1-1. En réponse, je vais remettre Chromium au-dessus de mon deck. Maintenant, tu vas discard ta main sur ta balance. Sensadora qui bloque au niveau de ses lands, ça par contre, c'est vraiment pas bon pour lui. Ça doit jouer un land contre relativement faible dans le ce genre de tête. Je crois qu'il est à 40, un truc comme ça. Sur... Il est à 40. Ah, 40 quand même, attends, bon. Ouais. Bah, c'est un 4C, donc il a besoin de. Il en a vraiment besoin pour le coup. Je pense qu'il peut peut-être même monter à 41 ou 42 éventuellement, mais après, bon. C'est vrai qu'il va des menaces en command zone et en sideboard. Enfin, ouais. En zone de compagnon. En sideboard, ouais. Au moins, on shot notre land. On va peut-être pas vouloir choquer. On va le faire. C'est vrai que... Côté Nyambi aussi, les lands risquent de se faire désirer. Oui. Pour l'instant, il a encore un Eagle Joe en main, donc il est plutôt tranquille à ce niveau. Mais. Wishclaw qui va être tenté. Donc, on a Spell Pierce en backup et Daze. Le problème, c'est que du côté de Zubro, bah, on va peut-être vouloir Venser, mais si on le fait, on se prend un Artcast de Daze et ça, ça va faire très mal. C'est vrai qu'il a l'information sur Daze, sur Drone, Pierce et Chant. Ouais, donc il va laisser passer. Ce serait probablement dans ce cas. Non, March, c'est pas terrible. Ouais, parce qu'en en fait, il peut pas faire un clic. Il va faire une Vendigan Click qui tourne autour de Daze et de tout, de drone, etc. Ça a l'air honnête. Il pourrait récupérer le Orim Chant ou un contre. Mais ouais, cette click, elle a l'air pas mal. Ça tourne autour de beaucoup de choses. Le problème, c'est que ça punit sur balance. Ouais. Propos 6 points de dégâts. Quoique, en même temps il reste une créature en jeu. Balance ça ferait. Non, ça sacrifie pas les artefacts. Je sais pas si c'est Restore balance, ça sacrifie pas les artefacts, mais balance j'ai un 2. Balance non, ça sacrifie créature, terrain et carte en main. Et donc, on va la casser. Donc on est tranquille au niveau du Drone in the Lock. Et je pense. Il n'a pas vraiment de réponse adéquate de son côté, Sensedora. Quel est le token qui est caché derrière l'Urus? C'est ce que je me demande. C'est un token compagnon, ok. Je savais pas que ça existait, les tokens compagnons. Je me demande si il veut pas juste lui laisser la main en l'état pour ne pas l'aider à trouver de terrain. Il a quand même donné. Et il l'a fait. Et il a viré. Balance, ouais. Ouais. On part vraiment sur un aspect. Il veut, aller aggro là, ouais. Il veut jouer ses créatures et taper. Il va probablement faire Venser à la fin du tour en face. Conceal Judgment, c'est pas dégueu. Ça peut virer Wishclaw. Il faudrait sacrifier Daze et Spell Pierce pour attraper. Sachant qu'on a encore mis Skelk à côté, donc on est. Enfin, non, mais du coup, oui, ça ferait quand même 2 cartes pour 1. Et avec ce qu'il a en main, en tout cas, c'est vrai, il peut pas tuer.
Mais sinon, on peut juste. Enfin, le problème, c'est qu'on est toujours à la merci de Orim Shunt, et ça, c'est. Ça peut être assez problématique. Là, si. Donc, il a son lendemain, il pourrait faire. Si sur une chante activation Witchclaw. Non, il a pas de tuto cimetière, donc il peut pas aller chercher. Mais... Il peut pas comboter en tout cas, sorcier, ça c'est sûr, mais. Enfin, à part s'il pioche bien. Mais à part ça, je vois pas trop. Éventuellement, s'il ne joue pas Venser à la fin du prochain tour, il pourrait éventuellement faire Nyambi qui remonte clic et qui rejoue clic. Effectivement. C'est vrai que ça marche. Non, il, va faire, il va chercher le, quand même, le tuto. Ah, il a annoncé ses targets. Il a annoncé ses targets directs, chose à ne pas faire. Pour rappel, c'est contre Judgment, ça ne target, enfin ça ne choisit qu'à la résolution après les votes. Et donc, ça, on peut attraper justement notre adversaire comme ça. Parce que aussi, s'il fait le choix, par exemple, de sacrifier quelque chose en réponse, et bah du coup, vous pourrez choisir une autre target. Inquisition, c'est pas si mal. Et... C'est similaire avec sphère de détention aussi, par exemple, même si c'est pas tout à fait le même fonctionnement. Ouais. Je vois souvent des joueurs faire l'erreur d'annoncer leur cible. Y a toujours l'option de caster. Enfin, en fait, on pourrait caster. Ah, non, c'est une créature ou une créature légendaire que ça fait. Ok, donc il va. Ah, voilà le beau petit play, il a sa force le days. Là, au moins, il est tranquille à ce niveau. C'est un peu dommage parce que bah, le Days on peut tourner contre un peu tout le temps mais et du coup là non j'aurais juste dit ok moi ça, en fait je pense que c'est ok parce que Nyambi a une valeur relativement faible dans le matchup ouais. Donc elle fait juste chump par la command zone en face ouais. Après elle fait un elle est là pour faire un peu de value et essayer de protéger les créatures faire des tricks et autres. Mais du coup, elle a attrapé une carte en face, elle a fait son boulot, ça marche. C'est vrai. Mauvais autre mesure aussi. D'autant que les cartes en main, je suis pas sûr qu'on veuille les looter. Peut-être Chip, qui va être trop long à activer dans le match-up, je suppose. Pour que là, ils font leur land drop, je regarde en blanc des yeux. Je pense qu'il peut la jouer là maintenant, la Chip, et il va le faire. Et il garde Venser plus Mythical qui est en backup et en même temps bah, il a la march qui peut gérer Breach ou alors Painter ou Mullard. Il commence à y avoir du mana en face, il va pas falloir oublier que Enlightened Tutor peut être relancé là en fin de tour. Spell Bomb, ça nous aide pas des masses. Mais par contre, on peut garder notre. Enfin, on a notre Inquisition qui peut préparer un big turn. On a encore un tour de tranquillité. Mais c'est alors... qu'il est déjà à 5. Ouais. Oh, alors, attends, je vois un pacte. C'est une discard ça. Chains of Vapor. Et un boons. Chains of Vapor, ça a l'air assez limité ici. Ah oui, c'est vrai qu'il va pouvoir remélanger son deck grâce à Tutor. Mais Chain of Vapor, ça peut être bien si on veut, si on se prend Dranit ou quelque chose comme ça. Parce que il suffit qu'on se prenne un Hitbeer et on est un peu dans la sauce. A noter que du coup le joueur de Nyambi a l'étal. S'il fait juste Venser, Boons, fin de tour, attaque pour 5. Ouais, et je pense que il va. Ce que le joueur de Sensei Dora ne sait pas en l'étal, il me semble. Bah là, il va peut-être... Il va pas chercher le létal, il compte le tuteur. Il est en train de réfléchir. Il a vu peut-être la ligne. Il a dit ok, du coup. Ah. Urza Saga qui va un top. Et du coup... Je préférais l'avoir un top. Ah, voilà, merci. Et là, donc, en fin de tour, on peut caster Venser, Bounce, et puis c'est la fête. Non, il a rejoué. Ah, quelle indignité. Après, de toute façon, il peut toujours faire la marque. Il peut toujours faire marche sur le général adverse, donc ça revient globalement à la même chose. C'est peut-être même meilleur. Parce que Venser, il a plus de value dans la main. Il a besoin de tap out beaucoup plus pour faire ça. Parce que là, il faut qu'il prenne 3, il peut pas rejouer Venser après. Bon, Miscalc. Hein.
Du coup, ça va forcer le... Est-ce que ça va forcer le pacte? Non, ça veut dire qu'il a pas encore... Il veut dire, ok. Il patiente, il patiente. Donc il pourrait refaire clic en upkeep ou en draw au prochain tour. Par exemple, en réponse à un Rim Chant. Ouais. Il peut, il peut. Je pense qu'il... Ah, je réfléchis. Je suis très déçu de ne pas avoir vu le Venser quand même en fin de tour. Ouais. Ça aurait forcé le Bounce tout de suite, c'est sûr. Mm. Avant qu'il puisse d'un tap, mais... Alors... Après, je peux comprendre en un sens, quand on joue bleu-blanc, on fait pas forcément très souvent attention au PV adverse. Oui, mais bon, après là, c'est... Ça reste c'est un deck plus dynamique. C'est un tempo dynamique, donc ça, c'est la petite référence utile, on va dire, pour ceux qui apprécient. Un midrange dynamique. Exactement. Donc la saga arrive, mais la saga va être... Heureusement, elle va être très lente. Denik, c'est un peu dommage, ça bloque pas la combo adverse. Enfin, ça bloque pas les combos avec Breach. Du coup, Linky ne prend pas le Venser au moins. Ouais. A noter qu'il y a aussi un monde où on fait Venser fin de tour et Boon Saga plutôt. Mmh, est-ce qu'on n'a pas l'étal là au prochain tour en boonsant le général adverse? Bah, il y a le. Ouais, sachant que March, elle peut déjà virer Saga en fait. Pour, c'est vrai. Oui, absolument, c'est vrai. Donc oui, juste jouer Venser fin de tour, aller chercher... On a viré clic. Ouais, je pense qu'il doit caster ce Venser et virer le général adverse. Et du coup, bah, pendant son tour, il peut proposer l'étal. Et là, le seul cas où... en fait, là, Sensei Dora, la seule chose qu'il peut faire, c'est... il aurait pu caster son Orim Shunt pendant son tour. Non, il peut cast Orim Shunt à l'upkeep adverse. Exact. Pour l'empêcher d'attaquer. C'est vrai que ça fait ça. Bon, ça veut dire qu'il va y avoir un removal sur Saga en réponse, mais ouais. Au moins il meurt pas ce tour-ci. Cela dit, ça change pas grand-chose à la cloque. S'il y a beaucoup de talent de Subaru, il va choper un contre et puis voilà. Il pourrait essayer de recycler miscalculation en réponse s'il fait ça à l'upkeep. Ouais, général, c'est quand il quitte le champ de bataille aussi. Ok. Enter Olive, ouais. Ah, c'est fort. Oui. On va piocher une carte, on a une Strix. Upkeep, le problème c'est que malheureusement, bah, on a vu qu'on a dépensé du mana, bah, on va se prendre miscalque sur Rim Shunt. C'est triste. C'est vrai. Okay, il a même pas essayé. Bah en fait, il avait passé l'inqui. Du coup, en fait, c'était juste un misplay d'avoir sacrifié le clou. Ouais, il fallait pas. Du coup, main de départ qui a l'air un peu compliqué du côté de. Il y a pas de tutor. C'est la deuxième carte en portant du bas de Bjorn Awan. Ça fait un effet comme silence, je crois. Ouais, c'est ça. Ok. Et du coup, bah, on a. Par contre, on a une main de départ qui est très bonne du côté. De... Enfin, qui est bonne du côté de Subro. Donc... Et comme d'habitude, on va se prendre cette mana taille sur le drop 2. Ça va être terrible. Hein. Parce que là, vraiment, le plan de Sensei Dora, c'est sa command zone. Hein, parce qu'il veut, en fait, piocher ses cartes avec ses clous. Et le fait de. Enfin. Ouais, parce qu'il a une main qui est vraiment pas très bien et ça va lui coûter très cher. Mais qu'est-ce que ça bloque Denik dans le matchup? Donc il a choisi de jouer Denik plus tard. Non, c'est peut-être juste pour le body qui se fait pas bloquer par. Ouais, je pense que ça doit être ça. Ça attrape Snapcaster Mage en face. Enfin, oui, ils ont Snapcaster Mage tous les deux. Donc, ouais, il y a Snap. Sinon, il y a. Je sais pas, ça bloque pas grand-chose d'autre en fait. Est-ce qu'il joue Sevin's Reclamation? Il joue Sevin's Reclamation.
Oui, réclamation. Donc ça peut contrer les piles intuition à la limite. Ouais, c'est à peu près tout de ce que je vois. Ah, ça marche avec. Ça bloque Goblin Engineer. C'est vrai. Ça ne bloque pas ni le spell bomb. Oui. C'est target player. Du coup, on a notre sword en backup qui va pas être très utile. Disons-le. Et bah en fait, ouais, il va balancer son guest pour poser une grosse cloque. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'impression d'avoir. Ah, c'est qu'il avait fait expressive itération tour d'avance, ça? J'ai peut-être mal vu. On n'a pas l'historique qui apparaît dans le. Ouais, c'est un peu dommage. Côté. C'est possible de l'afficher? Ah, super, merci. Nickel. Expressive itération. Ouais, il l'avait joué. Parce que j'étais en train de regarder la liste, donc j'ai un peu loupé les actions. Oui, on était deux. TNN. Je pense que c'était peut-être meilleur guest, du coup, parce que le deck en face, il le gère vraiment pas du tout, et ça propose vraiment plus de pression. Ouais, c'est vrai que pour le coup, la commandante en face, c'est une 1-2, ça bloque pas du tout Geist. Il peut bloquer avec quoi? Il peut bloquer avec Wall of Heaven, Painter Servant, ça tue moins vite que Geist. Ouais. Enfin, ça bloque pas Geist et ça ferait plus de dégâts qu'avec TNN. Baleful Strix à la limite. Ouais, c'est à peu près. Geist là, ouais, je pense que c'était plus pertinent. Et on avait souvent dans ma cave. Il a même plus Nyambi en command zone, donc il peut pas looter Geist s'il ouais. le souhaite. Enfin, s'il pioche Nyambi, quoi. Du côté de Sensedora, on a fait du coup Précepteur sur Demonic Tutor qu'on a mis on top. Et du côté de Zubro, on a juste Landé, Dirgo et bon, la phase d'attaque forcément. Et on garde c'est Memory Labs, Brainstorm en réponse. Il a qu'un seul contre-sort en l'état. Est-ce qu'il va réussir à. Ah oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de protection en face en plus. Entre Spell Pierce et Abeyance. Et là, je pense que ce Memory Labs, il va être lancé. Hein. Le problème, c'est qu'il va sûrement faire Brainstorm avant, ce qui va lui coûter très cher. Parce que le Spell Pierce pourra l'attraper. Et non, il va faire son Memory Labs, il a eu de l'instinct. Ah. Ah, il change d'avis? Peut-être. Est-ce que c'est le choke? Et il va casser son Memory Labs. Il a eu de l'instinct. Qu'est-ce qu'il serait allé chercher sur Dominic Tutor ici, à ton avis? Sur DT, qu'est-ce qu'il va chercher? Je réfléchis. Breach, ça gagne bien en fait dans le spot parce que ça peut recaster des DT. Sachant qu'on a Messe Noire à côté. Oui. Le seul défaut, c'est qu'en fait, on manque un peu de cartes au cimetière. Mais on peut aller chercher Brain Freeze. Je crois que. Je sais pas si ça permet de pouvoir gagner dans le spot, mais. C'est une valeur aussi qui est plutôt. Enfin, c'est plutôt une valeur sur des Shuxig aussi. Du coup. Balance aussi. C'est vrai. Balance, ouais, le problème c'est qu'après on perd beaucoup de cartes en main, donc ça c'est moins bien. Je pense que c'est ok, il a des landes en main qu'il est prêt à discard. C'est vrai. On va mettre le russe en main, fin tour Breach. Et ça remplit même le cimetière pour Breach. Ouais, ça c'est parfait. Et puis c'est là qu'on voit bien aussi la différence entre Geist et TNN. Parce que si c'était Geist, en fait il aurait gagné sur le spot. Ouais, je pense. Il aurait mis 3 dégâts de plus ce tour-ci, donc il sera à 8 en face, et là il retaperait à 8 et il aurait l'étal. Ouais. C'est dommage du coup de ne pas avoir fait ce guest. Euh,
Wash Away, c'est pas mal. Ça permet de contrer les cartes de Breach, mais bah, le problème c'est que de toute façon notre oppo il fera pas de tour avec Breach sans avoir pu faire obéissance. Donc du coup ce sera pas sera pas fabuleux. Là il perd encore un tour de clock. Il est obligé de jouer le land pour avoir l'étal au prochain tour, c'est bon, il l'a joué. Il le propose. Je suppose que Sensei Dora est en train de compter s'il veut partir en combo ce tour-ci. Ouais. Et du coup, visiblement, il se sent plutôt serein. Ouais. Le Dark Ritual doit donner le mana nécessaire pour. Clairement. Bah là, de toute façon, faut faire. En fait, ouais, non, le problème, c'est qu'on peut pas faire. On est obligé de faire Wash Away par principe et représenter une menace. Il a pas le choix. Il doit caster ce Wash Away. Donc on va tape avec Mishra's, Mystic Kate et Plaine. Non, peu importe. Ça marche. Ça marche aussi. Ouais, il laisse plus d'options possibles de combinaisons de mana. On peut proposer double white. Double white qui peut être unexpectedly absent. Du coup, oui. Donc on va dire on va caster notre messe noire, on passe à 3 mana en stack, on est à 3 compteurs de storm normalement, 4 maintenant avec le DT. Du coup on va pouvoir faire notre DT. On va aller chercher sûrement Breach, sachant qu'on a encore du noir en réserve, on peut... Ah non, il va chercher balance. Parce que sinon, on pouvait faire messe noire en recastant, puis DT. Ouais, non, il nous manquait des cartes. Mais du coup, il n'a plus d'outils pour combo. Il a rien au cimetière qui peut flashback ou... Ouais. Là, ça coûte assez cher, hein, ce tour. Ouais, après bon, on a toujours l'Urus qui peut remonter la pente. Qu'est-ce qu'il y a dans le cimetière de Saint Sedora tout à l'heure pour vérifier? Il n'a pas de carte castable, enfin pas avec l'Urus en tout cas. C'est un peu dommage. Dace qui est là. Je pense qu'on va juste proposer. Je pense qu'il va avoir vraiment envie de poser des nicks sur ci parce que peut-être qu'il se dit que ça peut bloquer les plans de jeu adverses. Pour le coup, non, mais il le considère peut-être. C'est vrai que ça bloque. Non, ça bloque même pas l'Urus. Non. Ça bloque pas. Faut jouer Guest et attaquer avec Mishra et Dirgo. Globalement, c'est. Je suppose, oui. Je suis d'accord avec cette ligne. Je l'aurais pas joué avec ça par contre, Geist. Ouais, je regardais tout. Je regardais le Tundra de Sword. Ouais, ouais. Ça peut lui coûter très cher ce move. Du coup, il va y avoir un gros top deck en face, je suppose. Ah, voilà. Je voyais la durée du replay, je savais qu'il allait avoir le top deck qui allait arriver là. Je connais, c'est ce qu'on appelle une punition, ça. Non, en vrai, même pas. Mais du coup, il va chercher Breach. Là, s'il va prendre Breach, en fait, faut pas qu'il tombe sur Brain Freeze, en gros. Avant. Ouais. Il s'arrête dessus, il hésite à transmute. Il n'a pas le droit parce que s'il transmute, il meurt. Oui. Il est juste obligé d'aller chercher. Techniquement, il pourrait s'arrêter. C'est une Steam Vents qu'il a posé ce tour-ci.
engagé, je crois. Ouais, fallait. Il y a Ah oui, de toute deux façon. de Mitavolt. Ouais, de toute façon, ça change pas grand-chose. Mais on aurait perdu un PV de moins si on avait posé. Ok. On va probablement régler. Oui, il a payé deux pour Authentic Pact. Ok. Il n'a pas encore de terrain. C'est là que je proposerai la méthode du contrôle Y sur Cocatrice qui permet de révéler rapidement les cartes dans la pile. Ah, les vrais savent. Sauf que Ah. les joueurs de commandeur mettent leur commandant dans la pile parce qu'en l'état, les développeurs de Cocatrice n'ont pas installé de zone supplémentaire pour mettre le commandant. D'ailleurs, il y a des tickets en route pour ça, mais ça prend du temps à coder. On prévoit la possibilité de mettre de nouvelles zones un jour. Du coup. Donc, Bridge qui est qu'est-ce que posé, on peut caster c'est DT, ce qu'on un va faire. Ritual into DT? Non, il fait DT tout de suite. Ok, non, il va chercher l'effet total. Ouais, le problème c'est qu'en fait, sur en fait, il fallait peut-être se caster une messe noire avant pour assurer en fait le mana avec. Bah, s'il va chercher Avec. Lotus Pétale, il peut jouer après. Ouais, mais le problème c'est qu'on va plus avoir de cartes au cimetière, je crois. Ah oui, ça, il va peut-être en manquer. En fait, fallait, je crois qu'il fallait aller Repos chercher. de Fallait faire Messe Noire, qui ensuite permet de caster DT, qui va chercher Brain Freeze. Ah, il va chercher Rain of Non, c'est Seals. bon, Rain, c'est ça. C'est vrai que ça joue ça. Et là, c'est le drame. Le Dice qui Du coup, il tombe. va pouvoir tout sacrifier. Attends, Day, c'est beau. Bah ouais. Ah! Et là, je pense que Sensidora, il vient de mâcher son clavier. Il l'a cassé en deux. Ah, Day, ça m'éveille quelque chose en moi qui est très. Bah voilà, bah, il a tellement défoncé son clavier qu'il a quitté la game. Et bah, voilà. Et du coup, ça fait bien un 2-0pour Niambi qui passe la suite. Bravo à lui quand même. C'était clean, Et oui. il a bien joué. Il y a eu ce risque avec le. Il y a eu Avec le. plusieurs plays ici et là sur lesquels on n'était pas forcément d'accord avec lui, cela dit. Ouais, mais sinon, globalement, il est Oh, arrivé mais au bah, c'était meilleur surtout résultat possible. le Geist à la place de TNN, ça a Ouais. vraiment failli punir ce sort. Il aurait pu perdre là-dessus. De beaucoup, ouais. Mais Alors. bah, surtout qu'en fait, bah, vu le deck qu'on a en face, c'est globalement de toute façon les mêmes réponses qu'il pourra proposer à TNN ou à Guess, donc autant proposer celui qui est plus agressif. Hein. Les joueurs ont accès au decklist pendant le top 8? Je vais lancer sans plus tarder, pour une durée de 5 minutes cette fois-ci, le sondage pour les demi. Donc, et je le fais en même temps apparaître là pour que vous sachiez qui est-ce qui est passé. Donc, on savait qu'il y avait Niambi qui est passé, mais qui est passé en plus? Donc, vous avez qui ont réussi à passer Karizev, joué par Damienad, qui affronte le Shorikai de Ribancy. Et Okay. il y a. Didou avec son Yambi qui affronte le Grist de Zangu. Voilà, ça c'est les match-ups proposés pour la demi. Voilà, donc ça veut dire concrètement on a perdu un Shorikai, on a perdu Tameshi, on a perdu bah, le Russe également, qui s'est incliné également. Emara de Khorne, le Khorne de Emara s'est incliné. Bon, voilà, ça vous étonne? Pas tant que ça, parce que de toute façon, bah, c'est un deck avec plein de phrases, donc forcément ça l'a pas. D'ailleurs, est-ce que. Enfin, combien il en joue, lui, Reborn? J'ai regardé. Parce que. Des choses cohérentes. Effectivement, je crois que j'avais mentionné au début, lors de l'annonce des match-up, que j'étais curieux de voir comment Tameshi pourra combo face à Grist, qui semblait avoir beaucoup de réponses. Ouais, en plus là, Reborn, je vois qu'il jouait aussi Balance, donc ça fait une Vraas en plus contre. Reborn contre Emara, c'est bah, j'ai touché ma brasse, j'ai gagné a C'est à priori. peu près ça, ouais. Sauf s'il y a une Flawless Manœuvre qui passe par là, mais bon. C'est. Et Karizef, c'était contre un autre Shurikai. C'est effectivement en théorie Karizef, c'est bien la version Burn.
C'est bien la version burn. Alors, il y a l'air d'avoir. Oui, ça a l'air d'être la version burn. Oui, donc il y a une effectivement, langue c'est demi, bien je crois. supposé être favori contre Shurikai. Est-ce qu'il y a un Vexing Devol? Ça, c'est la grande question. Ah. Il n'y a pas de Vexing non, Devol. De Vexing Louis, Devol. Louis serait triste. Ah, ça va peut-être lui porter préjudice, justement. Ou chance, on sait jamais. Je me souviens d'un article de 15 pages sur faut-il jouer Vexing Devol en moderne? Oui. Avec combien de dégâts est-ce que ça fait en moyenne, pas à chaque tour? Et sur, avec les pourcentages de métagame. Du coup, il disait contre tel deck, ça fait tant de dégâts en moyenne, et ensuite on moyenne par rapport à tous les decks. Ah, ces joueurs de Monored, ils sont beaucoup trop dans le personnage. C'est, c'est terrible. Mais ouais, non, globalement, ça a l'air de bien ressembler de toute façon à la decklist que de Louis. Enfin. La liste de Nicolas Praille sur le tournoi de Toulouse, j'ai l'impression. Hein. Et De toute façon, ils ont ensemble aussi, monsieur. Même pas, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'elle est. En fait, non, ça a l'air d'être la version Red Deck Queen. Il y a une 26 créatures. Allez, il reste encore 3 minutes dans le chat pour voter. On en est à 67% de vote pour Karizev Shurikai et 33% pour Grist Nyambi. Ça peut encore changer, donc n'hésitez pas si vous avez envie. Je rappelle également pour les joueurs qui ont participé au top 8 dans le chat de ne pas donner d'informations sur la suite, puisque évidemment, il n'y a que vous qui connaissez l'issue de la fin de ce tournoi. Faites attention quand même à ce que vous écrivez. Et du coup... Damiena qui va c'est le deuxième Shurikai qu'il affronte en plus. Ah oui, il devait mettre son Shurikai justement. Il devait déjà en avoir marre. Oula. Je crois que tu es en vitesse fois beaucoup. Ça a l'air d'aller très vite, oui. Alors, tour 1, on a eu Zurgo qui a été Mental Misstep. Tour de Karizev, du cœur normal. Voilà, ça on est sur un truc classique. Est-ce qu'il y aura il n'y a pas le petit contre T2 pour la Chandra là. Ça risque de faire très mal. Et le problème, c'est qu'en fait, Damienad, il va sûrement pas le lancer sa Chandra maintenant parce qu'il veut la protéger. Enfin, il veut pas la faire s'empaler. Donc, il va plutôt caster le Regless Stormseeker, je pense. Même pas. Donc, il va caster sa Chandra du coup. Il voit qu'il n'y a pas de bleu en face, donc il n'y a pas Counterspell, il n'y a pas Logic Note. Je ne suis pas sûr qu'il y ait Logic Note dans la liste de Shurikai d'ailleurs. Je crois que Thomas Méchin l'a joué, mais après, je... Attends, je vais regarder. Personnellement, je suis très fortement partisan de Logic Note. Après, il y a des gens qui le jouaient. Pas trop, ok. Il l'a joué. Il joue même Joueur et Disruption, donc... assez étonnant. Je vais redire Disruption, par contre, je... J'apprécie moi pour le coup. Mystical bon, Dispute. C'est un land. Quand c'est il qui va aller gérer cette Chandra, du coup on a le champ libre pour notre Reckless. Oh, le lapin, c'est pas mal. Ouais, c'est Reckless. Il y a pas et là, Reborn, il va être obligé en fait de. Slam Shurikai et prier. C'est ça, parce que sinon, si jamais Reckless se transforme, là ça va vraiment être la sauce. Ou alors il va pêcher une voir comme un chef. Il peut ending. Hein. Je pense qu'il faut après, ending. Il reprend encore des. Bah, en fait, même s'il ending, il a l'étal au prochain tour en face. Parce qu'il peut faire. Ah oui, il c'est peut ça, il tape. Oui, il y a l'étal au prochain tour. Même s'il ending, il y a l'étal. Et ben, on est bon. Attends, quoique dans Reckless, il va mettre 2. Il va donner plus 1. Plus 1. Il va taper 3, à 4, 7, 6. Il tape à 6. Il manque 2 points de dégâts. Bon, Damien. Je suis en train de regarder. Oui, il peut le sacrifier. Ici, le sacrifier. C'est face aux deux manas, ça peut être dangereux. Du coup, il va faire le choix de pas jouer. Je pense qu'il vaut mieux attaquer d'abord. Il l'a équipé tout de suite. Ah, mais s'il a l'état, ouais, il a Earth Fire qui peut coller les 4. Oui, ça met 4. Et ça met... Ouais, ça met les 4 en plus. Et il peut, de toute façon, le faire. C'est de savoir s'il veut le faire maintenant ou s'il le tente à l'optique adverse. Techniquement, il a l'info que son oppo doit pas avoir de contre, mais il a pu empêcher entre temps. Je pense qu'il peut attendre. En fait, il n'y a pas besoin de bouger là. Parce que son oppo va être obligé de bouger là ce tour-ci, parce que sinon il a l'étal le prochain tour. Force of God qui piochait. Oh. Ah bah, du coup, il meurt en réponse à la Vras. Ouais. Là, il est obligé de Vras toute. Il est obligé de Vras. Sinon, s'il met Shurikai, ça met un bloqueur. Mais ouais, il Vras.
Hop, et là... ça fonce. Et Splotch. Après, ça dépend pas mal du toss. Déjà, il avait le toss, ça va être pas mal. Ouais. Enfin, sur cette game, il avait le toss, je sais pas s'il l'avait sur le match. Il l'avait sur le... Bah, sur le match, sûrement, parce que vu que c'était la une, de toute façon... La première. Ouais. On a eu tour 1 Zurgo qui s'est pris mistep, donc ouais. Et tour 2, on a fait Karizev, notre opo avec un seul land, donc ouais, ça me paraît legit. Alors, on a une main de départ qui a l'air vraiment très très bien du côté de Shurikai. On a double effet sur Spike, plus Vras, plus Cryptic. C'est vrai. C'est très gras. Il est sur le play en plus, du coup, il va tellement finir. La Swiss Spear, ça va faire non. Karizev, oui. Non. Ça va être non. Ok. D'accord. Counterspell, bah, c'est nickel. Comme ça, bah, on va curver nos contres. Il faut juste qu'on chope un land. Il va même pouvoir jouer. C'est un. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, ah, c'est le terrain qui anime un véhicule, ça. Ouais, c'est ça. Donc ça donne lifelink, je crois, en plus. Non? Non, je crois pas. Ah non. Ok, bon, j'avoue, c'est mignon. Je le jouerai pas. Pour le coup, je le jouerai pas. Ah, c'est rigolo. Comme ça. C'est mignon. Parce que, un land incolore qui sert quand t'as déjà Shurikai en jeu. Et que t'as déjà passé un tour avec. Ah, nickel, on chope notre land. Bah, maintenant, on a Cryptic plus Counterspell le up. On est juste trop frais du côté de Shurikai. Il y a eu aucun sort qui est passé du côté de Shurikai. Ouais, c'est vrai qu'il est encore à 20. S'il était beaucoup plus bas en PV, j'aurais été inquiet. Parce qu'il y a pas mal de reach en face. Mais... Ouais, et puis bah, on pourra. Dès qu'on arrive à 5 mana et qu'on commence à tomber à court de Il compte, a déjà joué Karizev. Question, c'est ça. Est-ce que tu Cryptic ça probablement? Oui. Et bah, il fonce. Quel est le gros avantage, c'est que ça va permettre de trouver le cinquième land pour pouvoir jouer Shurikai et activer. Ouais. C'est quoi le troisième sort en main de Karizev? Alors, si ça le chope pas son land. Celui en dessous. C'est choc. Oui, c'est une bolt. C'est le nouvel art de Commander Legends 2, encore une fois. Ok. Enfin, il y a, je crois, deux arts dedans, dont celui-là. Okay. C'est bon, il a trouvé son land, il va pouvoir faire que. Normalement, c'est un match-up où t'as pas envie de payer les deux PV pour prop. Mais là, ouais, mais là il est tellement frais. Tellement en avance. Que... Je pense qu'il dit. Là, il va faire Shurikai que... activation, et puis. Il est pas obligé d'activer maintenant, il peut l'activer plus tard. Boldface. Bolt réponse, soit. Pour l'instant, il le vit bien. Et bah, techniquement. Je vois pas Shurikai perdre cette game. Ouais, moi non plus. Il est beaucoup trop bien là. Karizev. Ouais, vas-y, je joue Karizev. Moi, je fais ma token. Et puis, je t'observe et je te fais niaque. Et des bisous. Alors, attends. Oh non. Est-ce qu'il joue ce land? Est-ce qu'il joue vraiment ce land? Ah non. Ok, je confondais avec un autre truc. Non, tu pensais à quoi? C'est. Non, en fait, c'est l'illustration me faisait penser à un truc, je sais même plus qu'est-ce que ça fait, mais c'était un. C'est une. Ouais, pas un cloud, mais c'était un truc dans. C'était un truc qui était pas loin au niveau des extensions, je me souviens plus, mais. C'est une vieille carte un peu obscure, mais je me souviens plus ce que ça fait. Mais Maze of It, c'est très bien. Il y a beaucoup de PV, il n'est même pas obligé de gérer Karizev tout de suite. Il peut juste, pour un peu, il pourrait juste faire activation Shurikai into Deluge ce tour-ci. Ouais, ou il pourrait même animer Shurikai pour pouvoir bloquer avec son token à côté. Oui, mais par contre, c'est peut-être un peu lourd ça. Ouais, c'est peut-être un peu lourd, mais en tout cas, ça marche. Ça marche, effectivement. Cela dit, effectivement. Ça coûte combien? En fait, c'est 3. 3 pour le land. Donc on garde en 4. Fait. Donc il pourrait. Ah, il manquerait un mana pour qu'il puisse. Avoir coup de chance en backup. Non, je suis en train de regarder si tu m'en faire des tricks avec Mace. Mais non, ça. Si, Mace, ça dégage. Ça... Ouais, ça dégage. Non, c'est attacking, pas blocking. Ouais, donc on va bloquer plus Mace. Je regardais s'il pouvait faire des tricks avec Mace pour pouvoir activer plusieurs fois Shurikai par tour, mais pas quand il bloque. Non. Ça marche pas. En effet.
À part si on se prend le dragon qui coûte 5, qui TB, tu colles un, toutes les bêtes et tu les engages, quoi. Mais bon, c'est des corner case un peu. Est-ce qu'il est dans cette liste? Non. Du Pense coup, pas. ça veut dire que bon, il y a très probablement une game 3 et que Shurikai sera sur la draw pour cette game 3. Ce qui va pas être simple. Techniquement, je donnerais quand même Karizef positif pour pour ce match au global grâce au toss. On On va voir va ce qui chain va se passer avec lightning. sur Ouais, on chain face, on a notre trigger sur Veil et on laisse au-dessus, visiblement. J'ai eu l'impression. Memory Illusion of Turn. une toi qui me suis en shuriken. On va se gloutonner, comme dirait un certain Oni. frigo. Ah, c'est plus Charles qui dit ça, je crois. C'est plus Charles, tu trouves? Ouais. Je crois, ils ont bien repris l'expression tous les deux. Ouais, c'est vrai. Enfin, c'est parce que on a dorénavant le mème du Grony. Oui. Ah, j'étais aux premières loges pour ce même. Du coup, on va C'est bizarre en plus parce que j'avais croisé Oni à Châteauroux, bah, je crois que c'était pour le premier prime ou le deuxième. discard. Et du coup, bah, quand j'ai vu la photo après du Grony, je fais, qu'est-ce Ouais. qui lui est arrivé? Oui, t'as l'impression qu'il est super gros et en fait, pas du tout. Moi, vraiment, quand j'ai vu la photo de base, mais j'ai hurlé de rire parce que c'était. Ça m'a marqué. Attends, il anime Shuriken. Ah non. Gros Il me lance verdict. juste Abrasso au calme. Ouais, bah là, on enfonce le clou et puis bisous. Hein, bon, là, Damien a dit Allez, un peu. il aurait pu attaquer avec les pilotes pour dire. Ça se trouve, il aurait passé 2 dégâts. Et là, ce qui est vachement triste, c'est qu'il peut même pas faire sa mana taste sur le Torbran. C'est vrai. Et tout ça à cause d'un land incolore au lutteur du blanc. Quelle indignité. Vous êtes sur le service public, vous n'avez pas honte. Le problème, c'est on n'a pas les dégâts là. Enfin, on n'a pas une cloque en 2 tours du côté de Shrikai. Ouais, c'est pas si grave. Oui, c'est pas dramatique, mais. 3 dégâts face, je balance Counterspell moi. Ouais, bah, allez, il le fait. Je pense qu'il y a un monde où tu fais double activation Shurikai en réponse grâce à Minamo. Et ensuite, tu vois ce que tu fais. C'est vrai que c'est une option. Là, par contre, Ouais, parce que lui, il a l'étal en 2 tours. oui, c'est ça, il va attaquer à 10 chaque tour. Oh, il a même de quoi regagner des PV. Oh, Allez! voilà, tu vois, quand je suis dans ce genre de partie, je vais même plus chercher l'étal, je m'amuse. Je slam Teferi, je slam Ouais, mais là, le c'est Teferi, parce et que je t'es lui fais, vas-y, viens. Vocatrice, alors que dans la réalité des faits, t'es en tournoi, tu te dis, ouais, bon, peut-être qu'il va falloir quand même que je finisse avant les tours additionnels, quoi. Ah, il y a un chrono, ouais, bah, raison de plus. Mais bon, visiblement, Reborn a envie de s'amuser. Il est de la team Alicanto. Il fait partie de ces gens malveillants qui souhaitent faire pioncer leurs adversaires. Mais ça, c'est pour Non, pour l'ascendant cette entrée mental. du Ça, jeu, je ferai pareil. c'est pour l'ascendant mental pour la game 3. Voilà, ça je reconnais, tu vois. Exactement. Bon, plus sérieusement, malgré tout, si tu tapes avec Shurikai ici, bah, si tu payes quand même 4 mana pour le mettre, ce qui Oui, peut faire ça coûte résoudre pas des mal de cartes en face. ressources. Sachant qu'il n'a plus vraiment de contre en main à ce moment-là. Si on paye 4 mana, après on garde quand même nos mana de up à côté pour faire une activation Minamo et Shurikai pour reposer un létal. Enfin, même si on se prend Fury en fait dans le sweat par exemple, là on survit. Mais Ah, je suis d'accord avec Zankou. Quand tu payes 4, c'est pour piocher, c'est pas pour autre chose. ah, et voilà, bah forcément, non, ouais, ça dégoûte, Bon, les Vras, ça compte comme de la pioche parce que ça fait du CA. c'est vrai. Sauf quand c'est pour gérer TNN. Mystérieux Forest qui est très bien parce que ça peut aller chercher Mystic Sanctuary qui peut aller remonter Cryptic et Il a proposer du tout coup le le trois, c'est lock bizarre. Cryptic Mystic. Donc on est très très bien. On a guidé cette partie globalement. Oui, là c'est réglé.
Ouais, enfin, on l'a gagné depuis de toute façon quelques tours la partie. Mais... Oh, sinon, il peut se dire, allez, je vais remonter. Non, en plus, ils sont tous les deux à 13 PV, donc il peut même plus regagner des points de vie s'il va retourner chercher sa tête. Aïe, aïe, aïe. Bah si, parce que justement, vu qu'il va fetcher, il repasse à 12, et boum. Mais non, parce que le joueur de Karizev va pouvoir activer Barbara. Ah mais oui, exact. Un point de vie. Exact, et il pourra même se coller deux face. Comme ça, on est vraiment très sûr. Les sombres bails, là. À l'aide. C'est vrai qu'il, techniquement, il y a des parties où ça arrive et ça peut servir. Ça peut servir. C'est Abraid. Je suis tellement habitué à l'illustration de base que celle-là, elle me perturbe. Ouais, je comprends. Ça va faire un peu boomer comme ça, mais quand tu as été habitué pendant des années à voir qu'une seule et même illustration, et bah forcément, tu perds un peu le fil à force. Et du coup, on a ramené Sunset. Et du coup, il va y avoir le plan du Barbarian Rig. Allez. Non, il n'a pas fait. Oh, quelle indignité. Il le casse. Non, parce que ça veut dire qu'il a plus de bloqueur et du coup, tu peux pas lui mettre dans le chat Matisse for Blockers après. Ouais, c'est vrai. Et bah là, allez, fais le Damien, allez. Casse-moi cette furie et prends-toi ta meilleure stifle dessus. Et oui, là il se dit, oui ma furie, et c'est résolu, oui. Et oui, et non, bim. Une main de départ qui est super lourde en termes de mana du côté de Damien Hadz. Fallait la mulligan, je pense. Parce qu'on joue pas avant. Il a mulligan... Que je vois. En fait, c'est vraiment pas le jeu. Si, il a passé un mulligan dessus. Ah, il a déjà fait un mulligan. Oui, il a passé un mulligan, on est quoi. Eh ben. Faut pas être simple. Sunset Revelry en plus, qu'il a la main de Reborn. Il y a le removal aussi en face. Plusieurs choses. Karizev, de toute façon. On a pas trop d'originalité. Pardon. Ouais, il peut même fetcher tout de suite pour activer Sunset Revelry en passant à 19 et il remonte à 23. Il fait 2 tokens. Il peut. Non, ok, il le fait pas. Je crois que c'était le spot pour résoudre Révéry, pour être honnête. Hein. C'est-à-dire que son adversaire a pas de mana en face, il peut pas t'empêcher de gagner des points de vie. Gatekeeper, c'est une très bonne carte, mais pas dans le spot, parce que malheureusement, notre oppo n'a pas fait de chier. Oui. La fille est mal faite. Et on va aller proposer un anti-bête. Et là, c'est le pire scénar parce qu'on va juste se prendre un. Après, quoique. Ouais, parce que le clou, il donne pas de clou, du coup, c'est pas si grave. Donc, ça va. Et il va, du coup, Damien va choisir justement de laisser le. De prendre le clou plutôt que mettre 4. Bah, ça se comprend parce qu'il a pas son troisième terrain, donc il a juste sacrifié le clou pour aller le chercher. Je pense que j'aurais craqué par contre le clou pour essayer de piocher un land et comme ça j'avais peut-être une... Enfin, il y avait peut-être une meilleure. Non, c'était en fin de tour adverse, enfin à la fin de son tour, donc ça servait à rien. Ah oui, exact. Pas bête. Preordain. Et là, on va trouver Tame Reinforcements et bah, c'est GG. Boost, c'est une bonne carte de Magic. Oui, c'était ce qu'il avait pioché. Pour le Negate, c'est pas mal. C'est pas mal, ouais. J'aime bien l'interaction de fer. On va cruncher ce petit clou et on a une War Room, carte que j'aime beaucoup. Ouais. Moi aussi. Surtout dans mono bleu qu'on peut faire des Frantic Search pour l'untap et piocher deux par tour. Ouais, mais est-ce que t'as déjà eu l'occasion de, en jouant Azusa, de pouvoir d'avoir trois War Room en jeu? Oh, ça tu vois, c'est... Et c'était contre Crimlune à Toulouse, j'ai joué Denik et j'assemble double War Room et chaque tour je piochais trois cartes et il se faisait écraser par le CA, c'était assez abominable. Oh. Et en fait il avait perdu la game depuis longtemps mais il a voulu continuer parce que ça l'amusait trop de me voir faire des conneries avec mon deck. Mais... Je peux comprendre. Chain Lightning qui va... Aïe, ça par contre ça va faire mal parce que le Gatekeeper qui a nommé Instant, ça coûte assez cher. Enfin, ça nous coûte 2 PV dans l'action, juste de faire Negate. Bah du coup, il a gagné 1 PV sur moi, c'est la Negate. Du coup, fallait peut-être juste... Fallait juste peut-être faire... enfin, accepter de les prendre.
caster. Tu fais le gatekeeper et garder negate pour plus tard. Ouais, je pense que c'était meilleur. Sunset. Voilà. Ça va, je permets de caler Sunset into Oost. Il y a. Oui, il va falloir faire boost ici et garder Ending pour autre chose. Ouais, okay. Parce qu'Ending ça peut gérer le ouais, ça lui permet d'avoir le terrain untap au prochain tour pour pouvoir jouer Teferi aussi. Ouais, c'est. Ou Shurikai activation. Ça me paraît meilleur. Allez, Oost, du balai. Ah ouais, j'aime trop le nom de cette carte en anglais. Pour les Français. Ouais, très très bien. Et tu sais comment là où les Anglais préfèrent récupérer Delay chez eux. C'est vrai. Est-ce que tu sais comment s'appelle Fury en allemand? Wut. Exactement. Et moi, je trouve ça particulièrement savoureux. Ah, ça, ouais. Il est bien apprécié, celui-là. Je regarde les prix de Wood sur MKM un jour. Il y a des cartes comme ça, les Delay Foil en première édition, je suis même pas sûr qu'il y en ait encore sur MKM où ils doivent être au moins ouais. 40 ou 50 balles, enfin en français. Il y en a un autre aussi qui est pas mal, c'est l'Inquisition de Kozilek, en espagnol. Parce que Inquisition, non c'est quoi, c'est... Je ne sais pas. Alors, Teferi qui se labé. Il va piocher. Oui, il a encore 17 PV, il vit bien. Il s'en ferait. Autant pousser, hein. On est tranquille. Ah, le cryptique qui arrive aussi. Ça prend ça. Il n'y a pas encore la 3ème île. Il aimerait bien trouver une île pour que son fetch se transforme en sanctuary. Qui pourra ensuite proposer au moins le lock cryptique. Ouais. Surtout, bah, là, le lock il marche très très bien quand on a un moteur AC à côté. Genre un Teferi. On a moyen de gérer ce Teferi du côté de Damienal, mais ça nous coûterait en fait notre créature plus ses 4 points. Ou alors deux landes, mais bon, je pense que. Non, il peut taper dedans, elle vole sa créature. Ouais, mais il faut. Enfin, du moins, si on veut le tuer, faut cramer mettre avec. Une carte et une attaque. Ouais. Oui, pardon, j'étais en train de penser à autre chose. Okay, ouais, ça a l'air ok. La question, je me demande si j'aurais pas joué Shurikai quand même plutôt ce tour-ci, parce qu'il a pas de, il a pas d'interaction sur Teferi à jouer avec les mana qui détapent, alors que du coup là il donne vraiment Teferi à la créature qui vole, là où Shurikai il était sûr de pouvoir l'activer. Ah du coup un choix un petit peu étonnant. On va exiler du coup sûrement encore une éphémère. Ah non, un rituel du coup. On vire Sunset, comme ça on se le reprend pas sur Mystic Sanctuary. on a compris la leçon. Par contre, il a pas tué Teferi. Ouais, il a pas tué Teferi, et ça, je pense que ça va plier la game. Hein. Ouais, ça va plier la game, effectivement. Bah, ouais, c'est la teuf, parce qu'on a double removal ou cryptique. En fait, là, il est trop trop bien, Riba. Là, je pense qu'il doit faire son. Avec plus de Teferi, il va avoir le mana dégagé pour pouvoir cryptique. Il doit faire son code seal pour gérer ce phoenix, normalement. Ouais. Il a initiative, Gatekeeper. Ah, oui, il le fait pas. Okay. Ouais, je pense que j'aurais gardé. En fait, j'aurais juste fait code seal pour gérer phoenix. Et j'aurais dit go et garder du coup. Ouais, j'aurais gardé Egonjo de up pour gérer Gatekeeper si le besoin se faisait sentir. Ouais, du coup il a quand même Egonjo up ici. Ok, bout de sortie. Damienat qui est vraiment stuck au niveau de ses landes, c'est assez terrible. Oui. Et on parlait de Blood Moon contre Blue White, et on va me dire que les joueurs de Shurikai ont des basiques. Bah ouais. Ouais, c'est vrai. Ah mais c'est pas grave, sa capacité elle demande pas de colorer, du coup il y a pas de problème. Ah bah oui, c'est évident. Joy Description à ce stade de la game, ça aurait pu ne pas être très bien, mais en fait ça reste cool parce que bah, le pack le joueur en face bloque au niveau de ses landes, donc... Bah oui, c'est l'avantage des trucs comme Daze et. Enfin, Mana Tide, espèce de Force Spike. Ça devrait rester longtemps, surtout parce que ça attrape les commandants. Chandra. La plus belle. Non, c'est Kaiser la plus belle. C'est la case en plus, même pas à 6.
Ouais, c'est la 6. C'est plus dur de la caster dans ce deck-là. Ouais. Mais... Ah, il n'y a même pas le troisième mana rouge. Quel indice. Le quatrième dégât. Et bah, c'est Force Spike. Plus, hein. Oh là 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 là. C'est Force Spike avec Cryptic Cup. Ah, ouais, c'est. Et il y a encore le mana pour activation Shurikai après ça. Il y a les trois îles en jeu. Je plains tellement d'Amienat. Il va pas s'amuser. On va activer du coup Shurikai pour aller proposer un petit bloc sur ce lapin. Normalement, c'est ce qui va se passer. Et on va prendre le dégât. Ce qui est surprenant. Bon, quoi ? Attends, comment tu veux piloter Shurikai ? Ah oui, il paye un pour l'activer. Oui, juste ouais, bloquer avec le pilote. Non, je pense que son plan, en fait, c'est de cryptique contrer quelque chose, puis fetcher dans Mystic Sanctuary, cibler cryptique, et en réponse, activer Shurikai. Ce qu'il ne peut pas forcément faire aussi bien. Il ne peut pas remonter cryptique. Après, son cryptique, il le piochera au prochain tour, de toute façon. Du coup, je pense que j'aurais activé Shurikai. Ça me plaisait plus comme move, mais... Il est pas un mana prêt. Pouvoir garder Shurikai up, ça t'aide aussi si tu vois que ton adversaire fait un truc que tu peux pas forcément gérer avec Cryptic. Ouais. Je sais pas, un spell incontrable quelconque. En plus, il y en a un. Non, il a passé déjà. Ce qui fait que tu peux vouloir activer Shurikai en réponse pour creuser. Quand il a autant de points de vie, je pense qu'il peut juste se permettre de prendre un pour pouvoir séquencer ses plays plus optimalement après. Ouais. Là, c'est la réflexion. Pardon. Je vois un griffe dans la... un wood dans la pile, pardon. Un wood dans la pile. Technique. Qui va pas faire grand-chose, hein, malheureusement. Comment est-ce qu'il a payé son wood ? Je sais pas. Ah oui, sur Goban Courrier, très bien. Ah ! Light up, ok. Ok. Light up the stage. Et Damienad nous dit que c'est Friends Forever. Oui, ou Final Fantasy. Ou alors, sinon, c'est le petit surrender, comme on dit. Ce qui est légitime vu l'état de la partie. Je pense que oh, le Swords Complot Cher où tu peux activer ton Shurikai et te Swords pour regagner 8. Oh, trop bien. Et ça pour se prendre un Skullcrack en réponse. Quelle indignité. Alors. Bah, qu'est-ce qu'on va faire avec ce Burst Lightning ? Pas grand-chose. Hein. Oui, il est loin pour le kicker, de toute façon. T'as pas envie de le mettre sur un pilote. KSF nous coûte 4. Ah, il le chopera peut-être un moment sur quatrième land. Hein. Ouais. J'y crois. Mais même quand il aura son quatrième land, il pourra toujours pas double spell facilement. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où il peut pas double spell, la lock cryptique, justement. Normalement, l'avantage de Monored, c'est que tu peux double spell pour passer sous les contres. Ouais. Mais pas dans cette situation, du coup. Bah, en fait, il a trop de spells qui sont trop chers en main, et du coup, ça lui coûte tellement que... elle est juste haste, celle-là, si je me souviens bien. La création. Il peut la kicker aussi, la pseudo kicker, ouais. Mana, donc voilà. Oui, ça c'est. On va counter Boons, classique. Et on va garder peut-être notre Burst of Lightning en backup. En plus, Memory Lapse c'est tellement fort dans le spot parce qu'on peut vraiment bloquer. Ça fait Time Warp, donc c'est trop cool. Condemne et on va discarder cette fontaine sacrée qui ne sert pas à grand chose parce que de toute façon maintenant on ne va plus avancer en land parce qu'on ne posera que Mystic Sanctuary. Allez, on y retourne. Ah, ça me fait vriller. Ah oui. On attaque avec 3 bêtes seulement. On garde une non bloqueur. En fait, à sa place, j'aurais
je n'aurais pas tapé avec les pilotes, j'aurais tapé avec les deux autres tokens. Ouais, parce je suis d'accord. Il veut garder les pilotes pour piloter, justement. Je suis entièrement d'accord. Le bon. Trade avec le lapin, bon, on s'en fiche un peu à cette étape. Le petit land qui donne init à une créature légendaire. Mine de rien, il faut pas oublier qu'il a 12 de burst sur le board, entre Shurikai et Colonnade. C'est vrai que ça peut aller aligner rapidement. Plus fin de tour, on peut générer des tokens avec le castle. Et oui. Mais pourquoi générer des tokens et proposer un kill rapide alors que tu pourrais juste proposer plus d'ennuis? Je pense qu'il va jouer avec War Room d'Amiral. Quand on n'a pas pioché la moitié de notre deck, c'est pas une partie, voyons. C'est vrai. Je suis d'accord. En tant que joueur de grenouille, j'approuve cette parole. Tiens d'ailleurs, en tant que joueur de grenouille, est-ce que tu préfères tomber contre Karizev ou contre Shurikai? Contre Karizev. Enfin, quoique. En gros, si j'ai envie de jouer un truc un peu skillé, un peu tricky et tout, je préfère jouer contre Shurikai. Mais si j'ai pas envie de me prendre la tête, je joue contre Karizev. Parce que c'est trop de pression en fait. Enfin, c'est trop frustrant en fait, Shurikai, parfois. Et du coup, Karizev, en fait, ça t'es en sueur, mais tu. C'est plus simple à naviguer. Ouais, c'est ça, c'est plus simple à naviguer. Tu vois la mort arriver. Alors que Shurikai, ça te crée des petites ondes d'espoir qui ne va juste se faire un plaisir de te les écraser. Du coup, c'est... Mais aussi, après, tu peux vraiment profiter de grands moments où tu fais des beaux Seiju en boucle avec Life from the Low, mais là, il n'aime pas. On va commencer. Ouais, tu lui donnes beaucoup de mana hein, quand tu fais ça. Oui, mais bon, il pioche pas trop de cartes, du coup, c'est ok. C'est au bout d'un moment. Et... Parce que s'il pose un petit Planeswalker, d'un coup. Oui, bah, ça, de toute façon, c'est toujours là, le risque. Ouais. Je me souviens d'une partie où quelqu'un avait Crumlock en me posant une Winter Orb. Ouais. Et puis, bah, j'ai posé Teferi. Et puis, à 3, à 5. Du coup, bah, je l'ai tapé 3 fois plus de terrain par tour que lui. Aïe, aïe, aïe. Ça coûte. Ça coûte très cher. Par contre, là, on a géré tous les. Enfin, une bonne partie des attaquants de Shurikai. Mais le problème, c'est que ça va pas suffire parce que maintenant, on a Minamo qui a rejoint la troupe. Et du coup, ça va faire 2 fois plus de tokens par tour. J'ai pas envie d'être à la place de Zeminat. En plus, on peut slammer Solitude. Karizev qui est sur la défensive contre Shurikai. Il a l'étal là, ce tour-ci, Reborn. Oui. Et il a pas joué sa solitude. Du coup, il a juste le jouer maintenant. Il donne un point de vie, et puis il tape à 12. Enfin, plus 5, il tape ouais, à 12. Ouais, non, là, il joue vraiment au magic que tu aimes, c'est-à-dire il barbote dans son card advantage. Ouais. Bon, il y a un moment là quand même, quand il y a les létales sur la table, on va les chercher quand même. Ouais, mais bon, vu qu'on a le plaisir de pouvoir faire super ça à Karizev, on en profite. Ça va être pour ça. Il aurait pu jouer que. Bon, et quitte à faire ça, il aurait pu poser Narset, montrer qu'il continue de faire du card advantage parce qu'il n'en a pas assez fait. C'est vrai. Et il faut asseoir sa domination. Je trouve que ce n'est pas respectueux en face de son adversaire de ne pas montrer à quel point tu peux piocher quand tu choisis cette ligne de play. Si tu le fais, tu vas jusqu'au bout, tu fais les choses bien. Je sens du sel en face. Un peu, ouais. Un peu. Et dans le chat en particulier. Je viens de lire dans le chat que Damienad était en train de râler sur moi, visiblement. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est sûrement justifié. Il faut pas que je raconte mes games contre Karizev aujourd'hui parce que c'était un scandale qui s'est passé. Tu leur as appris la vie. Ah ouais, littéralement. Waouh, Fire Blast. Tricolore. Oh là là, Fire Blast. Il n'y a pas le contre, malheureusement. On peut activer Shurikai, il y a le détape, mais juste le détape. Du coup, il faut le faire parce que ça montre toujours plus de. Et oui, il y a certes dominance, tout ça. Exactement. Si tu ne peux pas faire au moins 10 actions par tour, c'est que tu ne peux pas jouer. Sans compter l'engagement des terrains, bien entendu.
bien entendu. Sinon, c'est trop facile. Non, mais... Ah, si, c'est bon. Kiri, ouais, là, c'est chaud, quand même. Là, il lui faut un token de plus, quand même, pour animer. Voilà. Allez. Est-ce que c'est de l'étal ? Il aurait pu piloter son shuriken avec colonnade. Et ça, c'était beau jeu. Ouais, c'était beau jeu. Comme ça, c'était encore moins rentable que le terrain, là, où il faut payer 3 pour animer. Ouais, trop bien. Et du coup, finale, qui va opposer... Alors, attention. Et donc, on aura Reborn, Shurikai, contre Zanku, Grist. Final, c'est un match-up qui est assez le match-up du format. Le match-up classique en ce moment. Ouais. Hein. On va déjà donner ceux qui ont donné Shurikai gagnant les pincées de sel de leurs adversaires. Hop. Et c'est parti, vous partagez 3000 pincées de sel pour eux. On va. La Guirlande est avec nous. Ah bah. Qu'est-ce qu'on vient alors cuisiner avec tout ça. On va lancer direct la seconde prédiction, comme ça, ça gagne direct. Qui va gagner le match entre Grist ou Shurikai? Vous avez encore une fois 5 minutes. On peut encore essayer. Faites vos pronostics, s'il vous plaît, messieurs les casters. Vous donnez qui gagnant sur là, comme ça? Moi personnellement, j'ai l'impression que Grist ça gagne un peu mieux contre Shurikai, mais c'est pas ce qu'on me dit du côté des joueurs de Shurikai, mais bon. Oui, en théorie de ce qu'on lit, Shurikai est favori contre Grist. Dans mon expérience aussi, quand j'ai joué un peu le match-up, je l'ai gagné. Et surtout les joueurs de Grist en face contre qui j'ai joué m'ont dit « Oh purée, je vais perdre à chaque fois contre Shurikai. » Okay. Mais il a le toss. Je vois qu'il me semble que Grist a le toss au vu des classements. Ouais, oui, il est troisième, donc effectivement. Ce qui peut compenser ceci. Tout alors, comme ça ne l'a pas compensé pour Karizev. C'est quand même très intéressant parce qu'au début, tu dis « Alors, les joueurs de Grist pensent qu'ils vont battre Shurikai. » Hop, Grist part premier sur les pincées de sel. Mais en fait, en réalité, Shurikai a quand même l'ascendant. Boum ! Shurikai qui remonte. Et là, on est presque pareil, un 60-40 sur Grist Shurikai pour Grist. Pour l'instant. Non, mais j'ai compris, ma parole n'a aucune valeur, là. Ah bah si, elle a influencé. Elle a influencé. Oui. Deux secondes, le début. Oui, deux secondes, parce qu'après, Alicanto a parlé. Et voilà. Voilà. Je me suis fait doubler. Ah, il faut amener des meilleurs arguments que Ali. C'est vrai. Tu ne peux plus changer le cours des choses. Ah. Eh bien, nous sommes partis. Donc, Mulligan à 6 du côté de Zanku. Ouais, c'est bien le cas, il me semblait bien avoir vu Mulligan. Ah. Fordain qui va du aller. Du coup, il n'a pas récupérer de tour 1. Ce qui ouais signifie que Grist, Shurikai a le droit de faire son tour 1. Moi, j'aime pas, en fait, j'aime pas trop la main de Shurikai parce qu'il a, très peu d'interaction avec le board. Enfin, il a juste une seule plus un petit wash away. Mais en vrai, c'est pas grave si tu veux juste wash away pour Grist. Là, sa main, elle lui dit si ton adversaire veut faire tour de Grist, bah t'as wash away. Oui. Et t'es bien. Ouais, c'est ce qui me fait peur. Je demande pas plus. Hein. Ce qui me fait peur, moi, c'est ce qu'il y a à côté, généralement, mais bon. Donc pour moi, ce qui me fait peur quand je joue match-up, c'est juste Grist qui se résout trop vite et qui fait trop de value. Ouais. Parce que sinon, le reste, c'est des petites bêtes qui tapent. Ouais, bah, il y a des brasses. Hein. On va attaquer à 2, et on va réfléchir, est-ce qu'on pose ce Grist ou pas? Si on... Là, c'est dangereux parce qu'il y a les deux manœuvres. On pourra éventuellement mettre Grist au cimetière dans le spot parce qu'on a quand même Living Death plus Recurring Nightmare. Il a l'air dangereux de le laisser au cimetière quand même. Ouais. Ça peut être. Parce que résoudre Recurring Nightmare passe encore. Résoudre Living Death ou ouais. Au niveau de Titan, non mais plus, c'est plus dur. Il y a très peu de chance. Titan, si ça résout, par contre, c'est la foire à la saucisse, mais. Qu'est-ce qu'il a d'ailleurs comme cible Titan Saga, Boonsland, Boseiju, Takenuma et Nurturing Pitland. Globalement, c'est les landes les plus utilitaires du paquet. Ça va. Et Pendelhaven, mais il est déjà en jeu. C'est prenable. Bon, par contre, ça fait beaucoup de recasse de Grist de la SSZ.
Ah, pas mal, ça March. Ça pourrait aller gérer une Needle ou un truc comme ça, ou une Saga même. Exact. On a le Madland. Hive of. Comment ça s'appelle Havre du. Attends, je vois pas dans la liste. J'ai oublié de les. Je crois qu'il est pas dans la liste. Non. Pourtant, j'ai l'impression que la liste de Zanku ressemble vraiment beaucoup à celle de Jules. Mais peut-être pas. Hein. Et visiblement, il ne l'a pas, effectivement. Il ne l'a pas. En fait, on dirait la version de Jules, mais un petit peu avant. Et là, ça va être. Tropical Event. Après, il va peut-être réussir. Living Death. Il requête Gris. Ah oui, non, Gris. Oui. Non, c'est parce que j'étais en train de trigger sur autre chose. La question, c'est de savoir si. Ouais, bah, je vais probablement juste faire Shurikai Activation aussi. Ouais, normalement, c'est Shurikai Activation. Mais ça veut dire, par contre, il prend Primeval Titan derrière. Ouais, oh. Et ça va coûter très cher. Ah, ouais. Ah, oui, non, pardon, Yerborg. Oui, Yerborg, enfin, c'est autant pour moi. On ne triche pas. Sans coup, tu sais ce qu'il te reste à faire. Hein. D'abord un type plus 1, histoire de pouvoir. Ah, quoique non, peut-être d'abord jouer Titan. Non, faut d'abord faire. Faut d'abord faire plus 1 pour si on veut ramener une exécration de sang. Il fetch, du coup. Je pense que je fetch pas dans le spot. Je préfère en fait garder mon fetch pour plus tard si jamais je veux ramener un. Bah, du coup, une exécration. Il a peut-être oublié Urborg. Peut-être. Et aussi, ça peut être bien si par exemple on top deck Augure de l'automne, si la carte du dessus ne nous convient pas. Il y a Oust qui permet de gagner du temps. Pareil, Teferi, c'est pas mal. Surtout qu'on peut faire Teferi plus 1. Ah oui, mais le problème c'est que Grist il shoot Teferi, donc ça c'est pas ouf. Oui, c'est pas idéal dans le spot Teferi. Là. Donc, Boonsland, Saga et sûrement Boseiju. Ouais. C'est bien ça. Et je serais partisan de. Boonsland, Boseiju, je pense. Ah, quoique. Non. Je pense que je prends Saga il plus. Que... Ouais, s'il prend Saga, oui, il sait pas qu'il a pas l'information pour Teferi, mais Teferi peut booncer Saga, ce qui pourrait en faire pas mal ouais. Les choses. Ah, oui, c'est vrai. Du coup. Ouais, je pense que je. Ouais, je pense que je fais. Je fais comme Zango, je pars sur Boseiju en main. C'est vrai qu'entre Grist pour sniper les Planeswalkers et Boseiju pour attraper. Attraper Shurikai, ça réduit un peu les options. On donne à notre adversaire, mais globalement, on s'en fiche parce que de toute façon, nous, ce qu'on veut, c'est. C'est gagner du temps. Si je fais une activation de Shurikai tout de suite, il n'y a pas grand chose qui m'enthousiasme dans la main, donc j'aurais assez tendance à activer Shurikai maintenant. Ouais, ça a l'air pas mal, surtout si on chope une Vrasse. Ouais, mais non, il ne le fait pas. Non. Et il va peut-être être puni là-dessus, parce que si on avait chopé une Balance, là on était vraiment très très bien. Pourquoi est-ce qu'il est à 3, le Teferi start à 4, non? Il n'a pas encore fait de capa, je crois. Oui, mais il commence à 4. Ah oui, exact. Exact. Bah, on remarque que j'ai déjà fait cette erreur sur un stream de cette chaîne, justement. Ah bah, bravo ça. Le Teferi Shaming. On va attaquer Grist, ouais. On va espérer du coup que notre oppo n'aura pas une interaction éphémère avec notre token pilote, si on veut protéger notre Teferi. Même pas forcément une note. Est-ce que. Il peut pas... Mais non, il peut pas avoir d'interaction infirmière vu qu'il y a Teferi en jeu. Enfin, ou alors oui, c'est vrai. Exact. Est-ce qu'on pourrait avoir un visuel sur le cimetière de Shurikai à tout hasard? Parce qu'en fait, si on avait fetché deux fois notre Boseiju, aurait pu aller. Enfin, si on se prend Boseiju, on peut aller chercher avec Mystic Sanctuary. On peut aller chercher Mystic Sanctuary et récupérer, du coup, par exemple, Contingent. Il a qui gère. Fetché, du coup.
Après, de toute façon, on pourra toujours le faire parce qu'on peut prendre, on peut se prendre le jouer de mana pour rejouer Grist souvent. Ouais. Heureusement, la Living Death, c'est pas grand chose en l'état. L'elfe est pas très bondant, comme on dit. Il peut tenter de casser Shurikai tout de suite, ce qui le forcerait à faire un token. Et il pourrait tuer le. Et, bon, non, du coup, il a pas de removal. Il peut jouer l'elfe. Ça aurait été un moyen de tuer le pilote et aller chercher Teferi après. Bah, il y a toujours l'option de cramer. Enfin, de jouer l'elfe, cramer. Enfin, faire un moins de Grist, péter le pilote et. Oui. Et aller shooter ouais, Teferi, mais bon, c'est vraiment beaucoup de choses pour pas énormément. Après, ce Teferi, il va dire qu'il y a des anges qui arrivent en instant speed. C'est vrai. Et ça, c'est un peu gravissime. Cela dit, il repioche. Il me semble qu'il repioche Titan au prochain tour déjà. C'est Second Front Top Oost, je crois. Ouais, c'est ça. Donc là, s'il fait plus 1, il meut le Titan et il a pas envie, donc il va sûrement faire la ligne du coup. Qui était cité. Ah, mais après, quoique. Ah, il a le token pour tuer Teferi. Ouais. Oui. Par contre, il y avait pas un monde où il pouvait juste faire. L'elfe et tu tues le pilote, ensuite tu tapes dans. Oui, il avait peut-être pas un removal. Non, en fait, il pouvait faire sinon plus un de Grist, faire Living Death et ramener Titan, mais. Ouais. Parce qu'il me le Titan. Mais bon, après, ça, c'était pas fabuleux non plus. Wrath of God, qui aurait été pioché du coup, je crois. S'il avait activé Shurikai pendant son tour, je crois qu'il aurait eu cette Wrath of God, et il aurait pu la jouer à la place de jouer Teferi et de l'empaler. Oui. On va du coup bosser... Clairement, il aurait préféré Wrath sur Titan. Ouais. Bon, il y a... Du coup, la Living Death l'aurait mis un peu mal, mais... Ouais. Je pense que c'est... C'était quand même préférable. On a de toute façon, on peut pas vraiment. Enfin, faut pas tourner autour de juste de Living Death. C'est pas une bonne idée. Alors, est-ce qu'il fait pas juste Ange tour? Après, il sait qu'il y a Titan qui revient. Mais le deck en face ne joue pas Glacial Chasm. Donc, on peut tuer de manière légite. Mais on peut se prendre aussi un moins de Grist qui gère un ange. Donc, est-ce qu'on a vraiment envie de poser des anges? Je ne suis pas sûr. Peut-être qu'on veut juste rejouer Shurikai, soit sinon jouer Elspeth et poser des tokens. Mais ça ne matche pas très bien contre Titan. Donc juste rejouer Shurikai, c'est meilleur, et garder du coup la Wrath pour répondre à Titan à côté. Ça a l'air pas mal. Je préfère, ouais. Surtout qu'avec un peu de chance, il peut topper un counterspell. Oui. Avec un peu de chance. Parce que là, le Gris, mine de rien, il a plus qu'une seule carte en main. Il n'a pas de contre sort au cimetière Shurikai. Il y a Wash Away, non? Oui, c'est vrai. Ouais, ça marche pas. Ça marche pas. Il aurait pu. Alors, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il vient de pumper cette token. Il aurait pas pu. Enfin, il aurait pu faire le play de récupérer Wash Away, mais il aurait pas pu. Ah, si, il y a un monde où il le repioche aussi en cyclant le land en main. Oui. Mais il a pas cette ligne. Malheureusement. Mais fallait fetcher l'upkeep pour aller récupérer Wash Away on top et piocher. Quand est-ce qu'il a activé Bozeiju? Il l'a fait à la fin du tour de Grist. Ok, donc ouais, effectivement, ça marchait l'upkeep. Ouais, du coup, c'est dommage qu'il ait pas. Qu'il garde pas la ligne pour pouvoir contrer Titan, surtout pour le coup, il sait vraiment que Titan arrive. Ouais. Ça sonnerait presque. Request de Grist. Après, bon, ça permet de tuer Grist avec l'attaque de Elspeth. Il peut passer Wrath sur Grist. Pour deux, on va cycler et on va pas piocher de contre, ce qui va être très triste. Prismatic Ending, mais... ça ne gère absolument pas ce qu'on veut. Si. Attends. Si. Il a du noir grâce à Urborg. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Ah, c'est beau. Quand je disais que je suis dégoûté de ne pas pouvoir fetcher Triome dans Shurikai, c'est entre autres pour ça, mais... C'était sans compter sur tes adversaires qui jouaient Urborg et Yavimaya. Eh oui. Ah là. Bon. Est-ce qu'il va le voir? Je pense que oui, normalement.
Parce que depuis tout à l'heure, il paye aussi avec ses fetch en tant qu'urban. Ouais, normalement, ça devrait être considéré, en tout cas. Donc, il sait qu'il y a... il a fait quoi avec... Ah oui, il a pump encore. Donc, il force le double bloc. Ah, un seul bloc même. Ah, ouais. Pas mal, ça. Du coup, Grist ouais. Prend 3, il tombe à 1. Donc, ça veut dire qu'il peut pas refaire de moins 2 derrière, au moins. Est-ce qu'il s'est débloqué la ligne rouge away? Non. 9. Il manque encore un mana, même s'il lande. Donc il balance Shuriken, évidemment. Donc là, ça va être la résolution du titan vraisemblablement. Ah, c'est pioche naturelle de Saga. Donc ça veut dire que le titan ne va pas pouvoir aller chercher Saga. Bon, il va faire un peu de value. Il pourra aller chercher... chercher Manland et Canopy Land, je suppose. Bah, pas de Manland, du coup, mais Canopy Land, ouais. Il n'y a pas un petit Manland vert quand même? Bah, j'ai pas l'impression, moi. Je revérifie, ouais, mais. Même pas là, la petite 3-3. Non, je pense que les. Il y a Dryad Arbor. Oui, c'est vrai, Dryad. Bon, ça prendra bien sa brasse, par contre. Ouais. Il n'y a pas de Boons. Enfin, le Boonsland est déjà passé. Fallait jouer Vesuva, purée. Donc, ce serait Nurturing Pitland. Ouais. Et Dryad Arbor, le spot le plus value ici. Ouais, ou Yavimaya, histoire d'enfoncer... Donner quatrième couleur à Shurikai. Exactement. Donc Titan qui va se résoudre, en théorie, mais qui peut se prendre son Stifle. Ouais. Et vu que... Non, personnellement, je ne Stifle pas, mais... Sachant les listes, il va plus chercher grand-chose de... Il peut croire qu'il va chercher Saga. Mais... Saga, Effectivement, ça aurait été très legit de stifle la kappa pour pouvoir Wrath of God sans que le titan fasse de value ici. Ouais. Après, mais de toute façon, là, on commence vraiment à essouffler notre adversaire avec le nombre de cartes astronomiques qu'on a en main. Donc, ouais. Donc ça va. On est plutôt tranquille. Idéalement, il faudrait une réponse à Saga. On peut toujours fetcher sur la marche qui peut aller exiler Saga. Ouais, ça pourrait être pas mal ça. Enfin, fetcher sur Sanctuary qui fait récupérer marche. Ah ouais, exactement. Ce que ça veut dire, du coup, il peut tuer marche, Wrath of God, et il reste un Grist de loyauté. Ouais, non, il peut ending Grist en plus. Ah ouais, en fait, il peut clear tout le board en face là. Ouais. Et il a le mana pour Selsane pour recontrer Grist derrière ou? C'est la fête au village. 3 et 4. Non, il lui manque un mana. Sauf s'il pose les anges et qu'il se choque. Qu'il se bolte plutôt. Ouais. Ce qui est une option légitime. C'est une option. Phrase. Je crois qu'il va pas le faire. Après, de toute façon, c'est juste un plus 1. Bah, on a mais type, il a de toute façon, il a de quoi attaquer Grist avec. Oh, Emra cool. Ça gagne bien des parties, ça. Pareil. 4 types de yards. Il peut faire des activations de Grist, sacrifier ses propres créatures pour tuer une autre créature. Il discarde Tazend. Ok. Intéressant comme choix. J'aurais discard personnellement le Emeria's Call, mais. Ouf, ça va faire mal ça. Le plus 1 qui peut enchaîner sur Diabolic Intent. Bury the Live et il peut faire Living Death. Oh ouais. C'est un plan. Je dis pas que c'est plan, bon, mais c'est un plan. Il y a un plan contamination aussi. Là. Ouais, mais on n'a pas le board, du coup ça marche pas. Ah si, le problème c'est que Shuriken peut toujours se bagarrer. Enfin, il pourra toujours faire des tokens, donc c'est on va pas gagner la course en fait.
Il y a un plan Burfing Pod, il y a un plan Skull Clamp. Ah, moi, je pense que. Oui. Ouais, mais c'est. Ouais, maintenant, on le sait pas. Il y a un plan Eternal Witness aussi. Moi, je pense que je fais Buried Alive sur Witness, sur Yogmoth et Reclamation Sage, je pense. Ouais, ça a l'air solide. Il a pas de créature au cimetière en l'état, le Shuriken? Non, je crois pas. Il n'en a pas. Eternal Witness qui peut récupérer Living Death, histoire d'être bien glouton. Cela dit, il peut... Ah ! Mais ah ! Ah, en fait, le plan, s'il fait Living Death, c'est Shurikai, untap avec Minamo. Ouais. Discard Emrakul. Ah, ouais, mais le problème, c'est que le cast sera plus value, je pense, pour justement gérer Contamination. Maintenant qu'il y a Contamination, oui. Mais si c'était le plan Living Death, enfin... Le plan que tu suggérais juste avant de... c'était quoi de... Mettre le truc au cimetière. Ouais. C'est pas une tombe, non. C'est... L'avantage de jouer Contamination, au moins, c'est que ça nous assure de passer Living Death prochain tour. Enfin, de ce tour-ci. Oui. À part si on se prend Faune ou Force, mais sinon... On est plutôt tranquille à ce niveau. Et on va la jouer. En plus. Et des bisous. Du coup, il perd sa contamination puisque Emrakul va dire « Ah, tu sacrifies pas ?» Attends, est-ce que c'est un mail contamination Alors, Trigger, on va aller chercher Charmidriad. Non, t'as le choix entre sacrifier une créature ou sacrifier contamination. Donc oui, tu peux faire juste mettre Emrakul dans ta tête. Je choisis de sacrifier contamination. Tout à fait. Into moins de Grist, je sacrifie un elfe et je tue Titan. Non, tu sacrifies Titan et tu tues Grist et tu l'envoies au cimetière. Ouais, c'est beau ça aussi. C'est vrai. Je vois. Clairement, oui. C'est mieux. Pour c'était ça l'idée. Ouais. Il est allé chercher quoi sur son trigger de Titan? De land random, je crois. Ok. Ouais, un classique. Hein. Ça fait recasse Grist longtemps. Ouais, Contamination qui contagie une base contre ça. Ouais, legit. Et du coup... Ça fait mal. On va pêcher des juges toxiques parce que notre fille, elle est bien nulle. Bon, ça va. Mais on va piocher avec Nurturing Peatland. Il reste encore Nurturing Peatland. Est-ce qu'il veut le claquer le... Oui, probablement. Ouais, quoi que je... Allez. Voilà. Allez, Reborn. Fais craquer ce Nurturing Peatland. Bon, on a fait le moins de Grist, on a pété Titan et Oui, d'abord Grist. Activation Shurikai, comme ça tu bloques les deux elfes et tu tues les deux elfes, je préfère. Ouais. Je suis d'accord. Et on aura fait tout pour rien parce qu'on a... Attends, on n'active pas de Nurturing ? Ok. C'était peut-être bon. Mieux de jouer Nurturing. Ouais, j'aurais... Il a tellement de mana qu'il faut juste sacrifier Nurturing ici pour pouvoir répéter la carte, tu peux piocher. Il n'avait pas beaucoup de mana, ça va plus défendre. Et on la concede. Ouais. Ouais, le... Il y a eu trop de CA du côté de Shurikai et du coup ça finit par en venir le bout. Et puis bon, bah, Emrakul, c'est un peu la fin inévitable. Et finalement, bah, le premier Fall Titan ne fait pas assez de choses dans le deck, on dirait. Bah, c'est un peu le défaut. Moins 0 land, donc c'est remulligan pour Grist. Non, ça me. Ça... Dans Grist, je Quand j'ai vu le slot, j'étais assez surpris déjà. Ouais, en fait, c'était vraiment bien quand t'avais encore. Enfin, t'avais encore le plan Tespian Deft, mais oui. Maintenant je trouve ça un peu mou en fait. C'est encore un One Lander pour Grist là. Bah, c'est bon, il pourra donner une couleur en plus pour la prismatic ending de son nouveau adversaire. Franchement, c'est quelqu'un de gentil. Moi, je me ligue de côté Shuri. Je pense que je me ligue des deux côtés, moi.
Il y a pas d'interaction de côté Shurikai. On est trop dépendant de Bardai. Peu mulligan la première main. Par contre, ça, ce serait même un 6, je le garderais côté Shurikai. J'aurais pas envie d'aller à 5. Il est gardé. Ah, mais il était déjà mulligan du coup, sans coup. Oui, Shurikai était gris, c'était déjà mulligan. Là, il a repris Mortal Misstep, il aurait tellement fait la vie. Oh wow. Oh oh. Ouf, Fed. Oh. Bon, au moins, il a une pioche avec ce Wall of Wounds. Ouais, tiens, j'ai l'impression que le. Ah, ouais. Pardon. Non, c'est une information qui n'apparaît pas sur le stream, donc je ne vais pas la partager. Alors, on va fetcher, on va aller chercher Bayou, et on va aller jouer Grist qui va se prendre sa faux. Voilà. Bon, il a trouvé, du coup, il a topé son land quand même, mais. Ça aurait pu être très dangereux là si topé pas son. Enfin, du coup, il jouait la 2-2, enfin la 2 accélérée. Okay. 3 villes pour Shurikai. Attends, quoi oui, non, non, il arrive engagé. Ouais, oui, il arrive engagé, on est d'accord. Je suis d'accord. J'ai vu le pré-ordre en pile et je fais ça. Allez, ça continue. Bon, non, il a toujours. Coup, Shurikai soir, revient bientôt. Pardon, Grist peut potentiellement revenir bientôt. Il peut du coup juste balancer une 4-3 sévérité maintenant. C'est mon impression. Ça matche bien. Ah, c'est pas bien force de négation contre Grist parce que c'est pas une créature en pile. J'ai un pote qui jouait Grist à Toulouse et son petit objectif c'était. Enfin, il s'est noté de côté les gens qui ont casté des faunes sur son Grist. Ouais, je comprends. Ah, c'est un des trucs qui me titre le plus. Avoir des trucs qui sont pas des créatures en jeu que tu peux pas contrer avec les trucs qui prennent des créatures sur la pile. Ça avait commencé surtout. Quand je voulais negate un Keranos. Ah. C'était une époque, un autre monde. Une vieille époque. Alors, est-ce qu'il a le land en plus? Non, c'est... ouais, du coup, il a pu ending le bird, donc Grist ne revient pas tout de suite. Petit swamp. Par contre, ça peut taper au Créa Célette. C'est quand même vachement joli, c'est basique. Soit dit en passant. Eh oui. Il ne donne qu'un seul de chaque dans les pré-construits commandeurs. Et tous les autres basiques, c'est des basiques normaux. Oh. Ah, envie de vomir. Du coup, ça va probablement partir sur Crypt. Bah là, on a. Là, on colle 6 quand même. Hein. Ouais, du coup, je pense qu'il va juste faire Cryptic Tap au prochain tour et une tout en train de. Peut-être. Fracture d'Identity sur. Sur la 4-3, sur Vengevine. Ouais. Top deck. Oui, on va voir. Qu'est-ce qu'il. Ouais, il sait qu'il y a. Est-ce qu'il va maintenant? Je pense que c'est l'équipe. La 2-1 revient en 3-2. Mais il peut juste l'exiler derrière ou la champ avec Shurikai. Ouais. Il faudrait le mana en plus. Mais du coup, il peut garder le. Il peut gagner le mana avec. Il peut jouer Vengevine peut revenir. Enfin, pourrait revenir bientôt, ça c'est dangereux. Ouais, pas sourcé en tout cas. Il a pas de sort de créature en fait. Ouais. Par contre, il y a Grist qui arrive. Il pourrait. Non, même pas d'ailleurs. Parce que s'il fait Zénith sur en pas de farouche, enfin il peut même pas jouer au gag, donc et de toute façon il aurait quand c'était Il y a pas Costing Beast dans son deck. Non. Ouais, effectivement. Il n'y a pas de QB. Parce que Jules déteste la carte. T'as le pote en question qui joue Grist à Châteauroux, il l'a rentré parce que c'est vachement bien dans le miroir. Ah, je veux bien le croire. Du coup, plus 1 de Grist. Je crois que, ouais, pour le coup, Questing Beast, c'est une des cartes qui me fait le plus peur quand je joue contre Ogak, souvent. J'ai souvent besoin de respecter ça. Portable. Oh, c'est pas mal, ouais. ça gère le guest. On peut toujours. On a toujours accès à nos 3 bleus parce qu'on a notre fetch qui va aller chercher Tundra. On va faire Portable Hall, target le guest. Du coup, ça veut dire que la force va attraper Grinson Zenith et ça va le mettre bien. Souvent dans le matchup, la force risque de manquer de cible, mais là. Ah oh oui, en plus, il est encore long, donc il est obligé de balancer le. Ouais. Le GZ. Grinson Zenith. Non, s'il le cast ou pas? Ah!
Pour le coup, d'un coup, je suis mitigé sur ton idée de ça fonce tout droit, parce que c'est aussi un... Enfin, à mon avis, hein, c'est quand tu joues un deck qui joue un peu de board, c'est un enfer de jouer contre Questing Beast, du coup... Puis tu joues contre Gitrog et tu fais bah ouais ton terrain Glacial Chasm c'est quoi ouais, c'est rien, en fait. Genre vraiment je passe mon temps de toute façon à jouer des decks land qui se cachent derrière Chasm et généralement quand Grist et bah moi je me dis bah son seul out en fait c'est Boseiju et juste mon pote qui joue Questing Beast dans son deck bah il a du coup beaucoup plus de réponses parce que bah il a tous ses différentes créatures qui sont justement une réponse à ça donc c'est bien. Enfin, je pense que la carte est vraiment legit bien dans le deck. Mais... C'est dur pour le joueur de Shurika, il a pas son cinquième land. Ouais, il stocke un peu. Sinon, et ça... de son côté, Zanku... Là, s'il avait le cinquième land, je pense qu'il gagnait la partie. Ouais. Parce qu'il est en train de flood en face, mais là, il a juste faire aggro, il va pas réussir à rattraper comme il faut. Le cinquième land qui pourra... faire cette petite fracture d'identité sur Grist. Ça va être faux, non. Bien fort. Cryptic Ted Tap. Non, je pense que tu veux faune et pitcher une carte bleue et cryptic engager piocher une carte. Parce ouais, que t'as vraiment besoin de ton land. Pas legit. C'est vrai que c'est envisageable. Ils veulent faire. Fetch. On va passer à 4. Derrière, du coup, il a 4. Même si il a son land, il fait Shurika, il activation, il prend 2. Il tombe à 2. Ah, il bounce Grist. Ok. Grist avait été activé ce tour-ci ou pas? Je crois bien. Ouais. Pas sûr. Du coup, je suis moins sûr du play. Ah ! Ça, c'est une bonne carte. Ah ! C'est une très bonne carte de Magic. Qu'est-ce que ça change ? Bah, ça change que tu fais une 2-2. Que tu tombes à 2. Grist arrive. Commandement de Pest of Fleur. Ça fait... Oui. Non. Parce qu'il peut faire... Ah, mais parce qu'en fait, il a... Il fallait qu'il fasse commandement, qu'il draine, qu'il pète Portable Hall. Il y a Guess qui revient. Ouais. Même comme ça, je crois. Non, ça faisait... il tombait à 1 parce que du coup, il faisait. Moins 2 qui gère Guess. Il gagne 2 PV et du coup, il prend 3. Il reste à 4. Il prend 3. Il était à 2. Attends, il était à 2. Il passait à 4. Et... Il était à 1. Bon. Admettons. Du coup, je pense que là-dessus, je fais. Je suis quand même pas très convaincu du boost de Grist au dernier tour, hein, pour le coup. Surtout s'il avait des déjà activés. Ah ouais, pas de chance dans le coup. Du coup, je te reviens. Est-ce qu'il tue Emperor maintenant ou il fait un token? Emperor va pas refaire de token tout de suite, donc il peut peut-être se refaire un tour où il fait un token. Ouais. Et là, land, fracture d'identity Grist, plus un Emperor sur... Ouais, ok, ça met à 3. Il y a toujours Yavimaya, donc il n'est pas obligé de perdre le point de vie. Parce que le point de vie de différence, ça aurait pu être très problématique. Parce que s'il y avait un removal pour le token qui est de Grist, qui crée de son côté, bah genre Grist en command zone lui-même, ah oui, mais non, il y a encore le commandant de Frest Fleur là qui va gagner. Ouais. Qui peut aller l'arracher. Oui, plutôt l'arracher, effectivement. Parce que maintenant. Là, c'était le tour où Shurika allait commencer à stabiliser s'il ne pouvait pas tuer. Ouais. Ingdes. C'est Gucci. Ah, c'est même sacrément Gucci. Ça propose bien l'étal, ça. Bah, les deux cartes qu'il a en main font l'étal, de toute façon. Oui.
Il va sur le Living Death. Ouais, vas-y. C'est rigolo. Hein. Et on peut faire commandement de Pestre Fleur pour encore plus de dégâts. Oui. Ah, c'est beau, c'est beau. Ouais. Bah, le cinquième land drop qui est jamais arrivé pour Shurikai et qui le fait perdre. Bah, ça a coûté très cher. Du coup, Shurikai commence. Une main de départ sans terra du côté de Grist et. Et Shurikai qui a une main de départ sans terrain non plus, parce que bon, Refitting Pool, c'est bien marrant, mais... Ouais, mais c'est sa deuxième... Du coup, il est à 5 maintenant. Je pense que sa première à 1, elle était 13, ok. J'ai pas vu, mais bon. Enfin, il y avait deux landes bleues dedans. Ouais. Je crois qu'il y avait Cantrip. Donc ça pouvait aller chercher. Sur le place, c'est pas mal. Ouais, bah du coup, celle-là, elle est très bien, en fait. Il y a probablement Bottom Force de Négation et Misstep, puisqu'il est sur le... Oust, ouais, il est sur le plane. Duresk qui a dû se faire Mental Misstep en toute possibilité, enfin en toute probabilité. Alors je vois une Survival qui risque de faire des choses. Survival, si ça résout, c'est. Non, il y a Portable. Enfin, il y a Portable, voilà. Mais s'il la résout T3 avec une activation qui met Blood Gas, déjà ça fait de la value. Oui. Et ça peut aller chercher Outland Liberator ou un autre truc comme ça qui menace Shurikai. Il a toujours pas son land. Il joue combien de land ce Shurikai d'ailleurs, parce que j'ai regardé. Non, 43, 45 et le MDC, ouais, c'est ça. Ouais, c'est donc c'est un nombre correct. Et là, il veut juste faire toper des landes et jouer Shurikai. Ça va prendre Blood Gas. Sword, je suppose. Si Blood Gas, il prend son Portable Hall, ça va être la... Ah ça va être la teuf. Ouais, ça va être la pire sur... Mais du coup... Mais du coup, il a le deck Mace. Let's go. Mais justement... Mais en vrai, il aurait préféré que ce soit un vrai land. Oui. Mais il va... Mais il va se baser sur le fait que son oppo va poser Urborg ou Yavimaya et tout va bien aller. Ah, mais oui, c'est vrai. Ok, ça nous aide pas pour l'instant. Je pense qu'il veut jouer Grist hein, là-dessus. Bah ouais. Il a pas vraiment d'autres options. Il peut survival et défausser Rankle pour trouver un truc, mais je sais pas. Je préfère avoir une double activation, limite, de mon côté. Ogek, c'est vraiment pas un bon plan dans le match-up. Ah, il passe. Ok. Je suis vraiment perplexe sur ce choix, mais... On est deux. Encore, on serait sur MTGA, on pourrait se dire, bon, il a peut-être glissé, il a peut-être cliqué trop de fois sur le bouton passe, mais sinon... Attends, tu pas le Blood Gas, là, s'il te plaît. Oh, mais aïe, non aïe, aïe, mais aïe, t'es un maze. Mais t'es un maze, t'as pas le droit. Quelle indignité. Vous êtes sur le service public. Eh ben, Zanku, il va se gloutonner là-dessus. Alors, Inquisition qui va venir. Qui t'a joué en langue qui fait pas de mana, autant faire un truc avec. Oh. Non, je suis pas d'accord. Là, ça t'a traumatisé pour la soirée, je pense. Oh, clairement. Ah, que veux-tu? Alors, tac. Bah, va falloir jouer survie hein, là-dessus.
Ah, il veut vraiment la slow roll, ça, sur lui. Et bah, on attaque. Et bah, tu lui penses, ça fait vraiment rien dans le spot parce qu'il y a ce maze. Hein. C'est tellement dommage. Ah, bah, tout s'explique. Du coup, top deck du Shurika, into, c'est un land. Ouais, on va considérer ça comme. Upkeep avec Worldly Tutor, qu'est-ce qu'on peut aller chercher? Qui est vraiment intéressant dans le spot. Y a pas grand-chose. Y a Rexage, non? Oui, Rexage, ça fait partie effectivement des options. On va discard de Fetch là-dessus, je pense. Probablement. Et bah go. De toute façon, on n'a pas besoin de bouger. La seule enfin, le seul truc vraiment menaçant en face, c'est bah il se fait gérer par Maze. On ne fait pas Worldly Tutor upkeep, ce qui a été au final un bon move parce qu'on va pouvoir tourner autour de la force spike adverse. Et faire des survival sur Bird. Juste être Maze parce que parfois on proute avec le cervelle. Effectivement, ça m'arrive souvent d'ailleurs. L'épée de cerveau. On a toujours cette Nurtz qui peut ramener Guest et quoi d'autre au cimetière? Guest. Guest, ok. C'est une raison suffisante. Bout du 9. C'est marrant parce que le match-up Gris Shurikei, c'est vraiment c'est le tribal de. Enfin c'est la bataille de créatures 1-1. Je trouve ça très marrant. Et Mais le là, le problème, c'est Christ qu'il qui y a. fait, tiens, Plague Engineer tes tokens. Un. Bisous! Ah, j'avoue que ça fait mal. Ah, dans le miroir de Grist aussi. Hein. J'avoue que c'est fort. Bah, peut-être que son coup, il va la poser, c'est sûr, au bout d'un moment. Là, il y a Shurikai qui tourne. Il a juste plus envie de laisser Shurikai faire des Là, trucs. faut, 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 faut bouger. Faut bouger. Y a pas d'autre choix. Voilà, c'est bon. Et maintenant, on fait des crêpes. Question, c'est est-ce qu'il force Spike pour faire une activation en moins? Je pense pas. Ouais. Il n'a pas la Hein. réponse en main de toute façon. Pardon, il n'a plus la réponse en main de toute façon. Il l'a utilisé pour. Pour cette exécration. Est parti sur quoi déjà la source plus chère? C'était fait Elle s'est discard pris discard sur ou c'est fait Inquisition, discard. ouais. Ouais. Ah, il y a une C'est pas mal. réponse à survie. Bon, par contre, il va quand même faire du oui-oui avec, mais. Et il va falloir le faire maintenant, je Ah oui, pense. là, t'as pas le droit de laisser des tapes avec survie. C'est mort. En double activation, je pense qu'il peut aller chercher Yogg-Moth. Première Yogg-Moth, activation, il va ah non, probablement Yogg-Moth chercher c'est peut-être plus tôt. il va probablement chercher Oui, Juin. Ou Ogak. Ogak en première activation. Ouais. Ogak, j'aime pas du tout quand il y a Maze en face, mais bon. Bah, t'as déjà une autre menace qui prend. Enfin, y a plusieurs. Si tu veux chercher Ogak, du coup, ça veut être. Tu veux avoir autre chose Après, il comme a menace. l'info sur le fait qu'il y a un verdict suprême en face. Du coup, ça, au gars, ça a vraiment pas l'air très bien dans le spot. Je pense que je prends Vengevine et je me prends pas la tête. Ouais. Et Peut-être un peu dur à. Alors, si. Ouais, ouais, si. Oui, c'est ta Worldly Tutor aussi en main. ouais. Mais Yogg-Moth, ce qui serait dommage, c'est qu'il prend sa force wake, mais bon. mine de rien, le Shurika il remonte. Hein. Oui, il est en train de En gros, remonter. son début de partie, il est vraiment en train de se remettre dedans. Il est encore à 15 PV, ce qui est relativement confortable.
Ouais, c'est oblique. Ok. Et deuxième activation, ça va chercher un autre truc. On va forcer la Vras. Ouais, comme disant coup, il active deux fois, du coup il est bien. Ouais. Il se met très très bien là-dessus. Allez, un petit Yogmoss, fais-moi plaisir, son coup. C'est une de mes cartes, c'est une des cartes que je préfère, enfin des cartes récentes que je préfère. Ah là là, il spoil dans le chat. Pas tout récent, c'est honteux. Machin, quoi. Ouais, Eric, c'est chic, cohérent. Et ça tourne autour de force Spike. Damn. Action. Non, c'est un verdict. Ni dame, ni damnation. Bah, en vrai, c'est très legit, Rex Sage. Hein. Je dis oui. Ça. Après, c'est, il y a déjà c'est même, c'est même sûrement mieux. Hein, mais... Gilded Goose. Bah... Ouais, il peut la jouer en plus de Rex Sage pour reprendre un peu plus de verdict. Hein, ça peut être bien. Voilà, le Rex Sage... Et là, il va casser le Portable Hall. Oh, le twist. On ne l'avait pas prévu. Ça va être une très très bonne idée. Il n'est pas activé ? Ah, il avait fait pendant. Non, il était déjà engagé. Ok. My bad. Il a trouvé marche pour pouvoir tuer. C'est vrai. Sur ici. Exact. On reprend du poil de la bête côté Zankou, du coup, parce que notre beau va être obligé de faire deux tours à rien faire avec sa Vras, puis son recasse de général. Donc c'est plutôt pas mal. Ou peut-être qu'il fait recasse de général tout de suite. Hein. Hop. Oui, il peut ouais, là, le board, il est pas assez menaçant. Si oui, j'ai le land pour activer Shurikai, je suis juste slam Shurikai et je suis activation. Et... Techniquement, moi, je pense que j'aurais été chercher Outland Liberator parce que ça donnait une option de la réanimer sur Unearth. Mais bon. C'est un peu... Je sais pas, en fait, ce qui est le mieux dans le spot. Parce qu'on sait qu'il y a de la Vras en face, donc en théorie, ça sert pas à grand-chose de swarm. Et enfin de poser plein de boards et du coup c'est peut-être bien d'avoir cette option du j'ai mon anti-Arthos au cimetière que je vais réanimer. Bah, tu pourras nerf après la Vras, mais du coup ce serait peut-être trop tard effectivement. Parce que là ça risque vraiment juste d'être Shurikai into Vras. Donc il aura eu deux activations Shurikai au moins. Ouais. Ouais, c'est que justement. Il nous dit que son plan c'était de swarm pour jouer au GAC après la Vras. Ok. Au gars qu'après Lavras, il prend encore le maze. Faut faire gaffe aussi à Grist, parce que quand on va commencer à avoir beaucoup de créatures au yard, il va vraiment proposer quelques dégâts. C'est pas mal ça aussi. Là, ça pose des bloqueurs. Ce qui peut ça forcer à swarm encore plus, pour overextend encore plus dans Verdict. Ouais, carrément. Et on parle là-dessus. Ça peut aussi forcer un moins 2 de Grist pour gagner du temps sur l'ulti. Mm. Bon, il est déjà c'est la 5 de toute façon. Il a encore force spike up. Ouais, et qui va venir attraper ce Worldly Tutor. Ah bah oui, là du coup, soit spot parfait. Enfin, il me sert à quelque chose. Je vous prie le coup. La Vras, la game change autour de ça tout du long. Okay. Je crois que je préfère encore Sensor à Jarry Disruption et je suis déjà pas très trop sur Sensor. Ouais. On attaque tout. Sur qui ? Oh, il s'est passé des trucs. Il a tout mis face et ils ont trade et il active okay. Maze sur la 3-3. Ouais. Sur Rampage. Ok. Ouais, bon. Du coup, est-ce qu'il active Grist pour tuer Elspeth ou est-ce qu'il le laisse refaire de token ? Je pense que je vais faire Elspeth moi là-dessus. Tu veux faire des petites avec une fois ? Hein ? Ouais. Comment ? T'es d'accord. Est-ce qu'il a des bonnes cibles pour un nerf ? Des bonnes cibles pour un nerf ? Non, pas encore. Non, faut le garder pour Reclamation Sage.
Ouais. Et il va sacrifier sa goose. Il a pas fait son full encore. On est d'accord, ça fait un full en fait... TD. Oui. Ouais, ça fait un full en TB. Je pense que j'aurais je sais pas si je sacrifiais plutôt l'insecte. Non, l'insecte il attaque. Hein. Ouais, c'est parce qu'en fait je me dis les tokens food peuvent peut-être trouver leur utilité plus tard, mais. Je vois pas trop comment. T'as pas avec la avec Saga, mais c'est. Ah ouais. Ouais, non, mais c'est chelou comme spot, mais bon. Ok, c'est tu vois, c'est. Et. Bah, du coup, il est bien. Non, j'aurais carré. Fruit, ça fait voilà. Plus un dégât sur le moins 5 de Grist. Goose, oui, exact. Et combien de créatures au cimetière côté Zanko? Enfin, côté Grist. On est à 5. On est encore bien loin du Lethal. Du coup, en fait, cette game, elle est assez représentative. Bon, je connais pas encore la fin, mais elle a l'air d'être en train de se dessiner. Elle est assez représentative d'une théorie dont on avait parlé sur Biquet récemment. C'est que Grist, ça met pas assez vite la pression sur les jeux bleus. Ouais. Et du coup, ils ont le temps de bullshit autant qu'ils veulent, que ce soit Shorikai ou Venser. Ouais. J'ai pas mal défendu Venser récemment sur Biquet, en disant que le seul mauvais match-up de Venser, c'est Karizev. Ok, il y a 10% de Karizev dans la salle et on roule sur le reste. Ouais, bah, après, okay. t'es tranquille. Deuxième land très très fort contre Shorikai, contre Grist aussi. Voilà. Du coup, une heure sur le. Il peut pas réactiver tout de suite le Shorikai. Mais... Ah si, là, attends, il a son. Non, il avait landé sur si ou pas. Ticket. Il l'avait pioché sur sa première, enfin sur son activation de Shorikai. Ouais, du coup, il pouvait juste le lander ce tour-ci et faire une activation. Non, il a déjà landé en fait. Il a posé une plate. Je crois. On peut ticket sur ce portable hall. Est-ce que ça met une cloque alors 1, 2, 3, 4, 5, il tombe à 7. Non, ça n'a pas l'air fou. Enfin, il est peut-être trop obligé de le faire quand même. Mais... Parce qu'il n'a pas beaucoup de meilleures cibles dans le match-up. Bah, de toute façon, la question ne se pose pas. D'abord, on va attaquer. Ah, après, quoique. Attends. Il y avait combien de créatures au yard déjà? 5. 5. Si on fait moins 5 de Grist, notre repos, il passe à 7. Il peut on attaquer au gag. Il pouvait lui rester que 2 points de vie. Dommage. On pouvait le descendre à 2 ce tour-ci. Mais bon. Too late. Est-ce qu'il veut remonter au gag pour forcer la vrace? Parce qu'il a pas mal de cartes au cimetière, il peut se le faire. Non, là en fait, je pense que Curryborn il va être obligé de cramer sa vrace ce tour-ci et du coup, je pense qu'il ne faut pas. Oui, c'est vrai. Il commence à être trop lent PV. Ah si. Ok. Voilà. Parce que ouais. Pour peu qu'il trouve... en fait, il va faire activation Shurikai, ouais. Ça bloque Rexage, il y a Mace pour Rankle, du coup il reste 2-1-1. Les 1, il peut les gérer d'une manière ou d'une autre, en fait. Donc, je pense qu'il est obligé de mettre juste une menace en plus pour forcer la vrace. Et pour le coup, ça lui demande assez peu de ressources de poser au GAC. Ouais. Donc oui, c'est vrai que c'est assez gratuit. Il a un cimetière rempli, hein, ça ne le demande pas d'enlever de créatures ou autre. Il ne peut même pas de ces types ou autre. Ouais. Cimetière, donc. Mais nous sortir un émeraude cool, hein, bon. Je crois que Vras, il meurt sur moins 5. Il meurt sur moins 5. Ah, possible. Encore ouais, c'est un joueur de Shorikai talentueux, du coup, il va forcément piocher à de quoi retirer Grist tout de suite. Non, il va piocher Rest in Peace. Ah, bah, facilement. Mais bon, il le joue pas du coup. Allez, Cultive Judgment. Ah! Ah! C'est un début de talent, ça. Ah! Mais ça a l'air un peu trop cher à caster. Et 4, ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais. Quatre.
4 7, et 5, 6, 4. 7, 8. Ça fait 12. Ouais, il manque un point. Enfin, un mana. Il est que à 12. Ouais. Et bah, il est pas sorti de l'auberge. Il faut qu'il tienne ce tour-ci et ça peut le faire. Mais là, je vois pas trop. Ah, enfin, si, il y a la brasse. Mais non, ça prend l'état. Là. Bah, même sur la brasse, il peut faire fin de tour, diquer sur. Diquer sur Hall. Ouais. Du coup, il peut taper avec. Avec comment ça s'appelle, Bloodgust. Et ça doit donner assez sur le moins 5 de Grist. Bah, le problème, c'est qu'il y a le Mace toujours qui vient bloquer Bloodgust. Oui. Ça lui met combien de créatures au cimetière là ? En l'état ? Clay, l'objet de brasse. Il a 4 créatures au cimetière. Ça en met 4. Il a 8. Du coup, il manque encore une créature. Non, mais. Non, il escape Elspeth. Ok. C'est valide. Il ne veut pas juste faire 5 PV ici. Non, il veut. Ouais, il fait les 5 PV. Hein. Du coup, il met Isogak et il bloque Rexage. Il prend 3, 4, 5, 6. Il pouvait fetcher sur Dryad Arbor. Oui. Ça, c'est bien Reanimate. J'aime bien Reanimate. Hop. Elle regagne 5 PV, c'est ça, Elspeth ? Oui, moins 3, c'est gagner 5 PV. Solide. Alors, on peut bloquer Rexage ou Bloodgust. On va bloquer Bloodgust. On a peur justement des réanimateurs. Ce qui fait qu'on prend 4, 6, 7, 8. Plus éventuellement 1 avec le. Tu perds 1 et. Enfin, on perd 1 et on pioche. Et on peut discard éventuellement. Non, on peut. Je pense qu'on peut. Il peut peut-être faire perdre un point de vie et piocher une carte. Par contre, il peut faire moins de grist pour ah oui, mais attends, mais c'est vrai qu'il y a le trigger. Enfin, il y a la kepa. Ouais, c'est un dégât en plus, ils vont donc il sacrifie une créature chacun, comme ça il sacrifie une bête, il passe à 6 créatures au yard et du coup, il a le létal avec le moins de 5 de grist. Salut Soak et au revoir Soak. Salut Soak. T'as encore fini 9e à ton dernier tournoi ? Je demande comme ça. Hein. Et du coup, ils perdent 1 et ils piochent. En plus de sacrifier une créature. Ouais. Donc là, on a 2 points du létal. Enfin, 1 point de plus. Moins 5. Et c'est le GG. Ouais. Les histoires de mana dev du Shurikai. Voilà. Ils ne sont pas supposés arriver avec le compte de l'ombre, mais. Eh ben, j'ai déjà eu deux. Qui a bien maîtrisé cette partie, du coup. Ça a bien compté les points de vie, et pof. Ça a trouvé les létales, donc ça a été nickel. Et du coup, bah bravo à Zanku, yes. qui remporte la finale. Félicitations, tu es qualifié au GP Paris. Attends, non. Le GP Châteauroux, s'il te plaît. Là, il y a l'Universal Prime Fest, 350 joueurs en DC, là, en juillet. Il pourra justement être qualifié. Et d'ailleurs, Corail, je t'offre 8 bails pour
pour le tournoi de Prime. Du coup, voilà. Je pourrais essayer de me débrouiller avec le patron, je le connais bien. T'as déjà le top 8 alors que t'es même pas encore inscrit. Donc, ouais. C'est beau. C'est beau, c'est beau. On rappelle que je fais un petit rappel que Zanku, du coup, c'est ça. Est-ce que je vais y arriver vite? Hop. Et bah c'est son troisième top 8 chez les Chroniques et c'est sa première victoire. Donc félicitations à toi. Tu repars du coup avec un bon d'achat de 10 euros chez MKM. Si je dis pas de bêtises, si c'est Belgarion en tout cas qui décerne. Donc si c'est pas ça de toute façon, bah voilà. Mais voilà, bon d'achat. Je rappelle que les tournois pour l'instant chez les Chroniques sont gratuits. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de venir jouer. C'est sur Cocatrice, effectivement. C'est un peu problématique pour certains, mais ça reste un tournoi gratuit, donc vous pouvez venir voilà, comme vous voulez. C'est sur plusieurs journées, les rondes sont installées sur 3-4 jours pour vous pouvoir trouver vos adversaires plus facilement. Et puis voilà, puis un top 8, le top 8 se passe sur le même moment, et puis il est retransmis après en live, en différé, pour éviter tous les problèmes de spot qu'on a pu avoir, on a failli avoir les dernières fois. Voilà, voilà. Franchement, sympa. Bah ouais. Top 8 assez sympa, ça représente bien. Absolument. Des petits outsiders et les classiques. Donc c'est ouais, c'est assez cool. Je sais pas ce qu'en pense le chat sur ceux qui ont suivi toute la journée en tout cas, mais belle game. Bon, on n'a pas tout vu, évidemment. Les replays sont disponibles, en tout cas. Si certains veulent les regarder sur leur propre cocatrice, vous pouvez les demander aux membres de la chaîne. On peut vous les fournir, il n'y a pas de souci. Donc voilà, et on rappelle pour que demain, il y a le FACT pour ceux qui sont autour de Lyon, qui ne sont pas encore inscrits, évidemment, qui veulent y aller, le FACT de Lyon. Donc c'est le troisième, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. C'est ça, ouais. Et puis voilà. Voilà, voilà. Corée, je t'avais commencé un peu de Golos. Pardon ? Comment ? On dirait qu'il va y avoir pas mal de Golos chez eux. Oui, j'ai vu ça. De quoi ? Il y a eu sur le trial, il y a eu 5 Golos. J'ai pas compris la première lettre. Ah, ça. Je me suis dit, mais de quoi ? C'est pas sympa déjà. Tout de suite, ça attaque dans le sud là. Ah bah là, visiblement, ouais. Ils ont fait. Alors ça, franchement, on a eu Belgarion, il était sur place pour faire le reporter. Et il a fait des photos d'un chamboule-tout très intéressant, je trouve, et je trouve que c'est intéressant de ne pas forcément penser que Magic, on peut aussi libérer sa rage d'une certaine manière. Ben voilà, le chamboule-tout, je trouve que c'était une très bonne idée. C'est une très bonne idée, effectivement. Après un 0-2, hop, t'es vénère, tu mets 5 balles dedans. Je pense que tu remplaces les. Enfin, tu mets des têtes des decks qui ont été bannis dans le format, et je pense que t'as des conserves qui sont bien éclatées à la fin de la journée. Ça, c'est les anciens joueurs de Modo Bleu, ça. Ouais. Non, mais en tout cas, voilà. Donc, je voulais juste dire, ouais, bah, Corège, vu que t'es là, tu peux parler un peu du Prime pour ceux qui connaissent pas. Ouais, avec plaisir. Donc, je co-participe du coup au contenu vidéo du coup de la chaîne YouTube MTG Prime où on commande du coup des parties des tournois, et à savoir que du coup MTG Prime, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est du coup une entreprise qui du coup organise de l'événementiel et notamment donc des tournois de Magic, et donc là en juin, donc du 4 au 6. Donc c'est un samedi, dimanche, lundi, parce que le lundi est férié. On a du coup 3 jours en duel commander avec à côté un side event en pionnière, 3 jours. Et ensuite en juillet, donc pour le week-end du 15, 16, 17, là donc c'est un très gros tournoi où on espère avoir 350 joueurs, où le premier part avec ses 10 bilans, le deuxième il repart avec quelque chose du même. Non, il part avec quelque chose qui est pas très loin non plus. Enfin, de toute façon, vous avez tous les détails sur la page Facebook ou alors sur le Discord par exemple de MTG Prime. Vous pouvez aussi retrouver les liens sur la chaîne YouTube. Et puis voilà, donc viendez nombreux, ça fera très plaisir. Complètement. Ali Quanto, alors je sais très bien que tu ne gères pas ou tu n'es pas membre d'une entreprise à but lucratif pour aux alentours de Magic, mais tu fais pas mal de choses autour de Magic. Est-ce que tu peux parler un peu de tout ça ? Profiter. Je peux tout à fait mentionner le Prime également, puisque la semaine prochaine à Vannes, je vous organise un tournoi de 80 places
où en fonction du nombre de joueurs, on peut avoir jusqu'à 4 bails pour le prime dans le top 4. Ouais, j'ai vu ça. Pas mal. Samedi moderne, dimanche d'essai. Petite paf à 35 euros pour 500 euros de lot pour le premier. Solide. Très généreux. Solide. Très beau. Ok, et ben écoutez, on espère qu'il y aura beaucoup de monde pour vos tournois. Et puis voilà, moi je remercie tout le monde déjà d'être arrivé, reparti, d'être là sur resté sur le live, en tout cas toute la soirée. Je rappelle que le replay sera disponible la semaine prochaine ou la semaine d'après, sans doute plus facilement la semaine d'après, je l'avoue. Mais ou alors ce sera en différé, ce sera pas le mercredi sur la chaîne YouTube. Je mets le lien pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne YouTube des Chroniques du Commandeur, qui recense beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, que ce soit du duel Commandeur, du Commandeur multijoueur, des deck tech, des tops de cartes, des openings, plein de choses. On fait à peu près tout, on refourgue tout sauf du Magic Arena. Du coup voilà, donc si vous avez des choses, n'hésitez pas à y aller. Je mets également le lien du Discord. Si vous souhaitez rejoindre la communauté Discord des Chroniques du Commandeur, discuter avec nous, avec les juges, voilà, ou avec juste la communauté pour parler du Commandeur en général. Également, qu'est-ce que j'ai pas donné ? J'ai pas encore donné le Twitter, tu vois. Allez hop. Le petit Twitter également. Beaucoup plus de choses qui se passent sur Twitter, notamment les lancements de live, quand est-ce qu'une vidéo est en ligne à partir sur YouTube. Donc voilà, plein de choses comme ça. Donc n'hésitez pas à passer sur YouTube, sur Twitter, pardon. Comme ça, vous aurez de base toutes les infos. Et je rappelle le sponsor HelloFresh qui nous aide, qui peut nous aider grandement si vous prenez une box, si vous prenez un abonnement que vous pouvez évidemment résilier très rapidement au bout d'une semaine, par exemple. Donc, vous ne prenez que la première box et vous arrêtez. Ça, il n'y a pas de souci. Ça nous aide à partir du moment où il y a à partir du moment où vous abonnez, hop, c'est compté chez nous normalement, j'espère. Et du coup, nous, on a la sponsor qui va avec, sachant que c'est hyper généreux pour nous. Donc, c'est super cool si vous avez envie de pouvoir manger des plats assez sympas et qui peuvent différer de ce que vous avez l'habitude. Bah, n'hésitez pas. Et puis, en parallèle, bah, ça aide beaucoup la chaîne. Voilà, voilà. Je vous remercie encore, Ali, Quanto et Koraïch. Bah, toujours un plaisir. Ouais, hein, ça, c'est très cool de pouvoir passer de temps en temps. Ouais. Quand je peux, quand les places sont chères, il n'y a que 2 places. Mais c'est toujours un plaisir de vous avoir. Passez une très bonne soirée. Passez une très bonne soirée. Bonne soirée au chat et tout et tout. Ah, on me dit dans les prédictions. Excusez-moi, je les aurais fait genre dans 2 jours. On va choisir la prédiction, évidemment. C'était Grist qui a gagné. Bravo à ceux qui ont voté Grist. Désolé pour celui qui a voté Shurikai. Il a tenté. C'était beau. Ça aurait été beau parce qu'il a récupéré tout le reste. Mais non. Voilà pour les prédictions. Merci Diabella de m'avoir rappelé ça. On se retrouve peut-être demain matin. Je ne garantis pas parce que j'ai essayé de taffer sur une vidéo très importante pour la chaîne qui va arriver mercredi. Donc, c'est pas sûr pour demain matin. Mais en tout cas, vous nous retrouverez mardi soir pour du Duel Commander avec des beaux decks, forcément. Forcément. Des bisous à tous. Passez une très bonne soirée. À très bientôt chez Chronique du Commander. Bye bye. Gros bisous. Salut.